On est bon. Je dis top chrono. C'est bon pour vous. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être présents donc, à ce jeudi du PG qui a lieu exceptionnellement un vendredi. Ce soir, on va vous parler de la loi sécurité globale et de l'impact qu'elle a sur notre sécurité en tant que militants politiques, en tant que citoyens, puisque c'est un texte de loi qui a fait et continue à faire débat au-delà de son article 24 qui contraint les journalistes à ne plus pouvoir diffuser les visages des policiers. C'est aussi une loi qui pose la question de la privatisation de la police, de la surveillance par drone, donc de la conservation des données, donc beaucoup de choses qui sont encore très floues et qui a une incidence sur notre existence. Donc pour parler de ça ce soir, on est avec Hugo Bernalicis qui beaucoup répondu à la tribune de l'Assemblée dans les médias sur ce sujet et donc qui va décrypter pour nous ce qu'il en est de ce texte. Donc dans un premier temps, on aura toute une partie où Hugo va nous parler du texte en tant que tel. Et puis, dans un second temps, on prendra vos questions pour en discuter et donc tenter d'y répondre. J'en déduis que c'est à moi. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre ce genre de diffusion qui sont importantes pour nous parce que ça permet de rentrer un peu dans le détail. Détail dans lequel on ne peut jamais rentrer, ni à la tribune de l'Assemblée, parce que 10 minutes ou même 15 minutes, c'est trop court, dans un format médiatique non plus. Et finalement, on passe jamais autant de temps que sur les réseaux sociaux dans ce genre de format à décortiquer une loi dans son intégralité. Et pourquoi il nous faut du temps? Parce que, évidemment, dans cette loi, quand je tourne la tête par là, c'est parce que je regarde mon double écran avec le texte de loi sous les yeux, ce qui est quand même plus simple pour vous le présenter. Il y a 32 articles dans ce texte, et donc il y en a même plus que ça en fait, hein, parce qu'il y a des machins bis, etc. Mais on va dire grosso modo, c'est le texte qu'on nous a donné, en tout cas il y en avait 32 au point de départ, et donc qui regroupe plusieurs grands titres. D'ailleurs, et pour refaire un peu la genèse de l'historique de ce texte, il est issu d'une mission d'information conduite par Jean-Michel Fauvergue, député de La République En Marche, et Alice Thourot, député aussi de La République En Marche, sur ce qu'ils appellent le continuum de sécurité. Le continuum de sécurité, c'est un concept qu'ils ont mis en avant pour justifier le fait que l'on puisse modifier les champs de compétences des uns et des autres, entre c'est qui les uns et les autres. Ça va de la sécurité privée jusqu'à la police nationale, gendarmerie nationale, en passant par la police municipale. Et donc, le nécessaire besoin de coordination, puisque selon eux, il y aurait du coup un continuum à construire. Alors, continuum, on pourrait dire tout de suite d'emblée que c'est surtout un gros flou qui est mis là-dedans, puisqu'il y a une superposition des missions entre les différentes forces, sans pour autant qu'on ait à chaque fois les mêmes garanties de contrôle et du fait que ce soit un exercice de sécurité, des métiers de sécurité qui soient mis en œuvre, exécutés dans les conditions d'égalité qu'on est en droit d'attendre et toutes les conditions qui sont celles de la fonction publique à l'initiale. Alors, sur le texte, on va commencer par le premier titre, parce que du coup, après cette mission d'information de Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, ils en ont déduit deux grands axes de réflexion, police municipale et sécurité privée. Parce que pour eux, c'est mieux coordonner comment fonctionne la police nationale, la police et la gendarmerie nationale vis-à-vis de ces deux autres forces, je mets des grosses guillemets. Je vais essayer de bannir ce mot de vocabulaire, mais je le dis parce que c'est les mots qui sont employés par nos adversaires. Parce que en réalité, et ça va marquer le fil conducteur finalement de comment on va analyser la loi. Il faut bien comprendre que celui qui a un peu le lead, qui est très en avant sur ces questions-là pour La République En Marche, c'est plutôt Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID, service d'élite de la police, service d'intervention, comme chacun sait. Et je le dis, je le précise, non pas juste pour vous le dire, mais parce que ça a une importance dans la manière dont il conçoit son continuum de sécurité.
puisque en fait, c'est du point de vue de la police nationale que vont être réfléchies et pensées les missions des autres. Celles qu'on va leur refiler, leur refourguer, pour le dire très, très clairement, ou celles qu'on va conserver. Donc, il y a deux titres. Les deux premiers titres, c'est vraiment du pur travail, enfin pur, c'est resté sous la supervision du ministère de l'Intérieur quand même, il ne faut pas déconner, mais c'est du pur travail parlementaire, au sens où voilà, ils ont fait leur mission d'information, il y a eu des préconisations à la suite de leur mission, et ils l'ont transcrit en proposition de loi. Proposition de loi qui avait été déposée d'abord en janvier 2020. Il y a eu une autre version avant qui avait été déposée, mais en gros, la vraie version, c'était janvier 2020. Et Jean-Michel Fauvergue et Alice Thoreau faisaient tout pour faire en sorte que leur texte soit mis à l'agenda, parce qu'ils sont contents, il y a un texte qui porte leur nom, tout ça, enfin voilà, vous savez ça aussi bien que moi. Et ils n'avaient pas forcément de fenêtre de tir particulière pour le faire. Donc, en réalité, c'est suite à l'assassinat de Samuel Paty que les choses vont se précipiter, puisque Darmanin et l'exécutif se disent « il faut qu'on accélère, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on marque un acte politique ». Et donc, ils reprennent la proposition de loi de Jean-Michel Fauvergue et Alice Thoreau, qu'ils modifient, et en quoi ils la modifient ? Ils la modifient en ajoutant tous les articles qui commencent à partir du titre 3, qui s'appelle « Vidéoprotection et captation d'images », et le titre 4, « Dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure ». Le titre 3, c'est tout ce qui va concerner les drones, caméras, piétons, etc., qui ont été aussi pas mal l'objet de critiques dans les médias et dans la société. Et le titre 4, les dispositions diverses, on a dedans le fameux article 24. Donc ça, c'est un ajout, il faut bien se le dire, c'est un ajout du ministère de l'Intérieur, de la part de Darmanin, demandé à Fauvergue et Thoreau dans une proposition de loi qui est d'initiative parlementaire. Ce qui fait que toute la première partie des débats, ils nous ont dit « Ah mais non, mais c'est les députés qui le proposent, c'est pas nous ». D'où, et on fait des allers-retours dans le présent, dans le passé, d'où la cacophonie qu'il y a eu suite aux manifestations et au fait que les médias et les journalistes décrivent l'article 24, où vous avez Jean Castex et Éric Darmanin qui disent « Attendez, on va faire une commission pour écrire l'article 24 ». Mais du coup, de deux choses l'une. Soit c'était vraiment une proposition de loi et à ce moment-là, c'est un problème parce que ce n'est pas à vous de réécrire un article. Vous pouvez faire une commission pour dire quelle sera la position du gouvernement pour proposer des amendements à cette proposition de loi, pas de souci, mais vous ne pouvez pas proposer de le réécrire, ce n'est pas votre texte, ce n'est pas votre loi. Ou alors, c'était de l'hypocrisie depuis le début, ce qui était le cas en fait en réalité, hein. Et effectivement, c'est un faux projet de loi. Pourquoi ils font ça ? Parce que, vous savez, dans le temps à l'Assemblée nationale, vous avez le temps législatif qui est coupé en deux entre l'initiative des parlementaires et l'initiative du gouvernement. Et du coup, le gouvernement, sinon, il aurait dû attendre beaucoup plus longtemps pour pouvoir déposer un texte sur la sécurité. Là, c'est l'occasion qui fait le larron, quoi. En gros, ils prennent un texte, ils le mettent là tout de suite à l'agenda parce qu'il y avait du temps parlementaire et ça permet de discuter vite. Ils le mettent en procédure accélérée et comme c'est une proposition de loi, il n'y a pas besoin d'avoir ni avis du Conseil d'État ni étude d'impact. Alors, attention, il ne faut pas sacraliser ces trucs-là parce que souvenez-vous, l'étude d'impact sur la loi sur les retraites, on a vigoureusement contesté parce qu'elle a été pipotée du début à la fin. Ce n'est pas forcément une garantie pour éclairer le débat. Mais enfin, bon, quand on l'a, on est content plutôt que quand on ne l'a pas. Et l'avis du Conseil d'État, c'est pareil. On est très critique vis-à-vis du Conseil d'État qui à la fois fait office de conseil du gouvernement dans cette mission-là, mais aussi fait le contentieux administratif en tant que juge suprême au niveau administratif. Bref, mais on ne les a pas. Et on les a demandé, enfin en tout cas pour l'avis du Conseil d'État, le jour où ils ont déposé leur proposition de loi, le jour même, un courrier est parti à Richard Ferrand de la part du groupe de la France Insoumise, signé de la part de Jean-Luc Mélenchon, pour demander au président Ferrand, « Monsieur le Président, nous souhaitons avoir l'avis du Conseil d'État. » Puisque même si c'est une proposition de loi, on peut solliciter l'avis du Conseil d'État quand même. Ce n'est pas obligatoire à la différence d'un projet de loi, mais on peut le faire. Et réponse de Richard Ferrand, 3 ou 4 jours plus tard, en disant « Chers collègues, oui, vous avez raison, mais en fait, ce n'est pas possible parce que le texte est déjà mis à l'ordre du jour. C'était 4 ou 5 semaines après. Il est déjà mis à l'ordre du jour et donc le Conseil d'État n'aura pas le temps de rendre un avis et de se prononcer. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. » Donc, on voit vraiment comment une proposition de loi mise en procédure accélérée permet d'aller très, très vite, de contourner tout un tas de choses et d'avoir un effet politique immédiat. C'était ce qu'ils cherchaient, puisque c'était en réponse à l'assassinat de Samuel Paty, comme on s'en souvient.
Et le problème, en plus, c'est que ce texte, les titres 1, police municipale, et titre 2, relatives à la sécurité privée, n'ont rien à voir avec l'assassinat de Samuel Paty. Enfin, ça... Et même la suite, finalement, la vidéoprotection, la captation d'images, c'est juste qu'on est toujours dans ce moment où les organisations syndicales, du coup, police de police, râlent à nouveau en disant, regardez, on est des cibles, il y a encore des attentats, il nous faut des moyens supplémentaires. Et il s'est dit, c'est le moyen de régler plusieurs problèmes, de faire croire qu'on fait des choses sur la sécurité auprès des Français, de satisfaire les corporations policières, notamment les plus radicalisées, et donc de continuer d'asseoir je vais dire, leur assise au ministère de l'Intérieur, parce que finalement, ils n'en ont pas, parce que c'est comme vous savez, c'est l'histoire de dette et de créancier. Celui qui est endetté tient autant que celui à qui il doit payer, quoi. Enfin, c'est réciproque. Bon. Et ils sont dans ce jeu-là avec les organisations syndicales de policiers. Donc, on en arrive finalement avec un texte c'est important de l'avoir aussi dans les éléments de contexte, hein. C'est vraiment quand le texte est arrivé en séance à l'Assemblée qu'on a atteint un niveau de mobilisation un peu conscient, du secteur. Parce qu'il faut bien vous dire que 4 semaines pour mobiliser un secteur, en fait, ça va extrêmement vite, 4 semaines. Y compris pour faire des amendements, le temps que les assos s'en saisissent, analysent le texte, les ONG notamment, envoient des mails aux parlementaires, leur demandent de les rencontrer en disant non, c'est scandaleux, machin. Finalement, on a eu assez vite des réactions sur les articles, sur les titres 3, vidéoprotection, captation d'images, et titre 4, donc avec le fameux article 24, mais sur tout le reste du texte, silence radio. Donc là, nous, on a été les seuls finalement à produire une opposition politique, y compris sur les titres 1 et 2, et à le dire médiatiquement et avoir une cohérence globale d'opposition à ce texte. Voilà, ça c'était pour les éléments de contexte, que vous ayez bien tout en tête, parce que ça nous permet de mieux comprendre la suite des épisodes. Titre 1, police municipale. Qu'est-ce que c'est ça donc qu'ils nous ont fait dans ce titre 1? En fait, le titre 1, le gros morceau, c'est l'article premier, en réalité. Qui va modifier les compétences des policiers municipaux. Bon, je profite du coup que j'ai un peu de temps pour vous expliquer dans le détail le circuit, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, les policiers municipaux sont agents de police judiciaire adjoints, ça s'appelle APJA. Bon, si un jour vous avez le temps d'aller vous perdre sur le code de procédure pénale, vous verrez, il y a des choses merveilleuses dedans. Il y a les officiers de police judiciaire, vous connaissez, vous avez déjà entendu OPJ, hein, c'est un truc qu'on croit, hein, et il y a les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, en fonction en fait de votre grade dans la police, et si vous avez passé les formations qui ne vont pas, vous pouvez faire plus ou moins de mesures. Et souvent, OPJ, ça veut dire officier de police judiciaire, c'est-à-dire que vous avez été formé pour faire des mesures notamment coercitives, restrictives de liberté, sous le contrôle du parquet, qui est l'autorité judiciaire. Bon. Donc, la police municipale, agent de police judiciaire adjoint, ça veut dire que vous êtes en bas de ce que vous êtes, ce qui vous est possible de faire concrètement comme acte d'enquête, comme acte d'investigation, comme constatation d'infraction. Je veux tout de suite dire une première chose pour que vous l'ayez bien en tête pour tout le reste de ce dont on va discuter. Il existe dans le code de procédure pénale l'article 73. Alors, je vais l'ouvrir d'ailleurs pour vous faire en faire la lecture. Comme ça, tout le monde l'aura. Ça peut peut-être vous servir un de ces quatre, y compris à titre citoyen. Et vous allez comprendre pourquoi. L'article 73 du Code de procédure pénale dit, dans les cas de crime flagrant ou délit flagrant, puni d'une peine d'emprisonnement. Bon, c'est un peu tautologique parce qu'en fait, on considère qu'un délit est un délit parce qu'on encourt une peine d'emprisonnement en le commettant. Bref, mais dans les cas des crimes flagrants ou des délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne, donc vous m'avez bien entendu, hein, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Pas très compliqué comme article. Donc ça veut dire que vous et moi, si on voit quelqu'un en train de commettre un délit qui est puni d'une peine d'emprisonnement, on peut nous-mêmes l'appréhender. C'est ce qui est marqué, hein, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur. Donc, vous vous débrouillez, hein, plaquage ventral, clé d'étranglement, voilà, vous connaissez
au final, hein, vu que tout ça est encore autorisé, et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ce qui m'a fait dire dans l'hémicycle que d'ailleurs, si vous voulez mettre un justaucorps et une cape et demain aller vous balader dans la rue pour faire le justicier masqué, c'est possible. Voilà, c'est possible. Juste à la fin, vous devez remettre le méchant à l'officier de police judiciaire le plus proche. Donc, je mets cette plaisanterie de côté. Enfin, ce n'en est pas vraiment une d'ailleurs, mais je mets ça de côté pour vous dire que du coup, le policier municipal, lui aussi, peut faire ça, évidemment. C'est-à-dire que le policier municipal qui voit un délit ou un crime, c'est-à-dire qui voit, j'en sais rien moi, un cambriolage, qui voit une bagarre, quelqu'un en train de frapper quelqu'un d'autre, qui voit quelqu'un en train de fumer de la drogue, bon, parce que bon, ben, ça fait partie aussi des délits aujourd'hui, hein, en l'état actuel de la loi, comme chacun sait. Le policier municipal peut, au titre de cet article 73, appréhender la personne et la conduire à l'officier de police judiciaire la plus proche. Concrètement, ils l'interpellent, ils appellent leurs collègues de la police nationale arrive, prend en charge la personne, soit la place en garde à vue, en audition libre, après ils se débrouillent dans les moyens d'enquête, et tout ça sous le contrôle ou directement par le biais d'un officier de police judiciaire. Je le dis parce que, en fait, dans le débat, on nous a dit oui, non, mais le policier municipal, à chaque fois, il peut rien faire. Il est là, il se balade dans la rue, puis il peut rien faire. Voilà. Il voit des méchants faire des méchancetés. Et puis bon, bah voilà, il est là, puis il fait, oh bah zut, je suis que policier municipal, je peux pas intervenir. Alors bon, vous aurez compris que ce n'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est obligé de passer par la police nationale. Donc il y a une dépendance pour ça de la part de la police nationale. Et beaucoup d'agents de police municipale, finalement, devant un certain nombre de délits qui sont commis, ne vont pas interpeller les gens. Soit parce qu'ils se disent que ce n'est pas leur mission, et ça peut être aussi le cas d'ailleurs, puisque c'est le maire qui fixe leur mission, je le rappelle, soit ils peuvent se dire, bah, la dernière fois je l'ai fait, j'ai appelé la police municipale, ils m'ont dit, ah ouais, non, on n'a pas le temps, laissez tomber, transmettez-nous le PV, on verra plus tard. Ok, le PV, le procès-verbal. Ce qui est plus proche de la réalité, la deuxième option que je viens de dire, donc du coup, ils n'agissent plus, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'il n'y a pas derrière la police nationale qui est là, réactive. Je le dis parce qu'en fait, cet article premier, il fait quoi? Il fait que dans un certain nombre de délits prévus par le code pénal, code de la route, code de la construction et de l'habitation, je triche, hein, je regarde le texte de loi dans l'article premier puisqu'il y a la liste. Hein, je ne les connais pas tous par cœur, hein, vous m'excuserez, mais le 322-4-1 du code pénal, par exemple, hein, fait partie des nouvelles prérogatives de la police municipale lorsque le terrain appartient à la commune. Donc, j'imagine que c'est de l'occupation du domaine communal. Il y a aussi des trucs, donc du coup, du code de la route sur le défaut d'assurance, etc. Bon. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour toutes ces infractions, soit si c'est du domaine de la contravention, contravention, vous voyez tout ce que c'est, tout le monde a déjà payé au moins une dans sa vie, donc de la première à la quatrième classe, en fonction de la gravité, ils pourront eux-mêmes dresser la contravention et ne plus dépendre d'un policier national pour le faire. Ça, c'est le premier point. C'est peut-être le seul truc qui peut éventuellement être utile, où on aurait pu discuter, bon, de se dire. Mais encore, en fait, en réalité, ces contraventions, elles viennent à la place, souvent par le biais d'une amende forfaitaire, à la place d'un délit. C'est-à-dire que vous payez l'amende, et comme ça, vous n'êtes pas poursuivi. Mais il y a des domaines dans lesquels, notamment sur la fraude à l'assurance, quand vous défaut d'assurance, c'est un délit, mais si vous payez une amende tout de suite, ça éteint les poursuites. Donc, le policier municipal, quand il sera confronté à un délit, donc peine d'emprisonnement, vous avez compris, et qu'il ne pourra pas dresser une contravention, il pourra constater, donc c'est marqué, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu'ils sont commis sur le territoire communal et qu'ils ne nécessitent pas de leur part d'acte d'enquête, qu'en gros on sait qui c'est, la matérialité des faits est établie, les délits prévus, de point. Et il transmettra, comment ça se passe à l'heure actuelle? Il constate, il fait un PV, il l'envoie à la police nationale, soit la personne, si c'est en flagrant délit, qu'il a envie qu'il soit pris en charge tout de suite, mais sinon, c'est la constatation. Il l'envoie à la police nationale transmet immédiatement au parquet, puisque c'est le parquet qui décide, et en fonction de ce qui s'est passé, le défaut d'assurance, soit il a une convocation devant le tribunal de police, une convocation, ça peut être en correctionnel, enfin, tous les cas de figure de procédure, tous les cas de procédure sont possibles, mais c'est la police nationale qui prend le relais, puisqu'on est en matière délictuelle, et que ça peut nécessiter des moyens d'enquête complémentaires, surtout si la personne conteste avoir commis le délit. C'est quand même
On a quand même donné état de droit, donc il faut des preuves, tout ça. Enfin, bref, je passe ces détails-là qui n'en sont pas, évidemment, vous l'aurez bien compris. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est que les policiers municipaux vont pouvoir eux-mêmes, alors qu'ils ne sont pas officiers de police judiciaire, transmettre directement au parquet les infractions qu'ils auront constatées. Et il va y avoir un problème, c'est que si le parquet veut faire une enquête, poursuivre, avoir des éléments complémentaires pour prendre une position de ce qu'il convient de faire, de l'orientation des poursuites, eh ben, il ne pourra pas se retourner auprès du policier municipal, puisque le policier municipal ne peut pas faire d'enquête. Pour le coup, ce n'est pas dans le code de procédure pénale, ça retombe sur un OPJ. Donc, il devra retourner vers quelqu'un de la police nationale qui se ressaisira du dossier, etc. Donc, on va dire que dans 80-90% des cas, effectivement, le policier municipal pourra faire à la place du policier national, mais il reste ces cas-là où finalement, ça va alourdir la procédure et allonger la procédure. Et au final, ça vient servir un discours de la part des policiers nationaux sur leur cœur de métier en disant, écoutez, nous, c'est pas à nous de faire les assurances. Je vois un article du Code de la santé publique, c'est en gros les gens en état d'ébriété dans la rue. Enfin, voilà. Et c'est ça la police municipale. C'est bon. Nous, on est policiers nationaux, quoi. Alors, on n'a pas que ça à faire. Enfin, je caricature encore une fois, mais c'est pour que bien vous compreniez dans l'état d'esprit dans lequel se trouvent beaucoup d'organisations, de corporations policières. Là-dessus, et le prisme avec lequel Jean-Michel Fauvergue, je vous rappelle, hein, du point de vue de la police nationale, a pensé et construit ce texte. Donc, c'est pour se déléguer de tâches sur la police municipale. Alors, pourquoi on s'y est opposé? Alors, je précise que l'article premier, il y a plusieurs éléments, c'est une expérimentation. Donc, ce ne sera pas toutes les communes et toutes les polices municipales, ce sera uniquement les communes choisies par un décret conjoint ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Donc, comme c'est choisi par l'exécutif, évidemment, évidemment, il y a un petit passage dans l'hémicycle où je pointe du doigt la potentielle dérive de clientélisme. Ah oui, puisqu'ils vont choisir plutôt telle commune amie, pas amie, je sais pas quoi. Alors, c'était Marlène Schiappa qui était là, qui m'a dit, comment, monsieur Bernalicis, vous pouvez pas dire une chose pareille, jamais, je sais pas sur quoi vous basez pour dire ça. Et bon, bah, du coup, j'avais quelques éléments en tête hein, de mémoire, hein, notamment quand Nicole Belloubet avait voulu supprimer des cabinets de juges d'instruction. Vous vous souvenez peut-être de cette petite histoire, et que pour ça, il y avait eu un échange de mails avec Matignon pour faire la liste des cabinets d'instruction, donc des villes concernées, et des potentiels résultats aux élections municipales pour La République En Marche. Sous-entendu, si on va faire plutôt un bon score dans cette ville, on ne va pas froisser les magistrats du coin, donc on ne va pas supprimer le cabinet du juge d'instruction. Par contre, si on pense qu'on va faire un score de merde, vous pouvez y aller, les gars, allez-y, supprimez tout, faites-vous plaisir. Bon, on a ces documents hein, dans lequel la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, on a les échanges de mails, le tableau en annexe avec les noms des villes, les pourcentages, etc. C'est pas une fable, hein, c'est voilà, je l'ai vu de mes yeux vus. Donc, bon, alors évidemment, elle n'a pas répondu et pas répliqué après ça. Mais donc, il y a évidemment cet aspect clientéliste. Deuxième aspect, ça risque d'alourdir les choses. Mais bon, à la limite, ça fait pas un élément majeur d'opposition, vous me direz. Troisième élément, il va y avoir des compétences concurrentielles. Sur la même problématique, vous allez avoir pouvoir une intervention de la police municipale et une intervention de la police nationale. Or, la police municipale reste la police du maire, pour le meilleur et pour le pire. Et je le dis, pour le meilleur et pour le pire. Moi, je m'en fais pas, je veux dire, si cette expérimentation avait lieu à Fâche-du-Ménil, où c'est notre camarade Patrick Poisy qui est à la tête de la ville, il ne va pas faire n'importe quoi avec les dispositions qu'on lui donne. Ça, c'est pour le meilleur. Mais pour le pire, bah c'est, je sais pas, à Béziers, par exemple. Voilà, petit exemple. Mais oui, parce que c'est ça, à un moment donné. Du coup, le maire, il va dire aux policiers municipaux, bah, faites plutôt ça. C'est-à-dire qu'il a une boîte à outils dans le code de, dans le futur, du coup, code pénal et code de procédure pénale. Ils pourront verbaliser les gens sur ces différents aspects. Là où avant, c'était la police nationale qui finalement ne regardait pas la couleur du maire, la couleur politique, le machin, si c'est l'opposition, si c'est toujours dans la même rue, ils s'en fichent, enfin, c'est pas leur sujet, quoi. Voilà. Donc ça, il y avait une petite garantie quand même de ce point de vue-là. Et puis, élément de fond, c'est que ça vient changer la mission de la police municipale. C'est-à-dire qu'elle rentre dans une mission davantage répressive que préventive. Puisqu'elle va pouvoir constater des délits et des infractions, là où avant il y avait un partage des rôles entre police municipale et police nationale, et où on avait la police municipale qui était plus une police de tranquillité publique, etc., une police là qui va être, pouvoir être répressive. Donc comme on leur donne des nouveaux délits,
Vous vous doutez bien que le policier municipal, il dit, bah, attendez, moi, si je dois arrêter des gens qui commettent des infractions, il me faut une arme à feu, il me faut du matériel en plus, il me faut un gilet pare-balles, un machin, etc., etc. Et voilà comment on homogénéise un petit peu à la fois et on augmente le niveau sécuritaire dans le pays, y compris dans les polices municipales. Et donc, on voit bien en plus, parce que c'est sous-jacent, alors bien sûr, ils s'en sont dans le débat, ils ont dit, plein de fois, ils ont dit non, non, mais ce n'est pas un transfert de compétences, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, si c'était le cas, en vrai, ce sera le cas, hein, d'un transfert de compétences de la police nationale sur la police municipale, il doit y avoir un transfert de crédit, normalement. Dans la Constitution, on a mis, quand un truc est fait par l'État, doit être fait par les communes, ben, il faut le pognon qui va avec, quoi. Enfin, ça paraît tellement évident. Et là, en fait, non, pas du tout. D'ailleurs, je vous indique qu'on est passé dans les années 80, début des années 80, à 5 000 policiers municipaux. Là, on va dépasser la barre des 30 000. Et ça ne suit pas la courbe de l'augmentation de la population, comme vous en doutez. Donc aujourd'hui, là, y a un vrai sujet, parce qu'énormément de polices municipales se sont construites parce qu'il n'y avait plus de policiers nationaux pour faire les missions de tranquillité publique au quotidien. Voilà. Et il y en a d'autres qui pourront faire un argument politique en disant, oui, la sécurité, on s'en occupe. Regardez, on a mis les policiers municipaux. Voilà. Bon, ça fait partie des arguments de campagne. Hein. Voilà. Donc, ceux-là, en mettant en place des policiers municipaux, ben, ils ont constaté un retrait progressif de la police nationale. Et évidemment, sur ces délits-là, comme on n'aura plus besoin d'appeler la police nationale, ça veut dire que la police nationale aussi, ça modifie ses missions pour ne faire que ce qui est très répressif. Et que de la police d'intervention, on appelle le 17, on vient, on déboule, on arrête l'infraction, on attrape les gens, etc. Et on s'en va et on ne revient plus jamais. Encore une fois, je force le trait, mais c'est pour que vous compreniez bien que c'est aussi une opposition pour nous vis-à-vis de la conception et du rôle concret de la police municipale et de la police nationale, évidemment. C'est pourquoi j'ai martelé dans le débat avec les collègues qui étaient là à ce moment-là que nous voulions à l'opposé, enfin à l'opposé, c'est même pas à l'opposé en fait, c'est une autre façon de voir les choses. J'en profite pour nous recaser, pas juste vous décortiquer le texte, mais recaser ce que nous on propose. On est pour une police nationale républicaine de proximité. Et on est pour incorporer précisément les effectifs de police municipale à la police nationale pour pouvoir redéployer les effectifs en fonction des villes, puisque. Moi, je trouve pas ça normal qu'il y ait une ville qui il y a 100 policiers, deux villes identiques, il y en a une, il y a 100 policiers municipaux, il y en a 10. Alors pareil, qu'on soit pour ou contre, peu importe, c'est juste, c'est pas juste, quoi. D'un côté, il y en a 100, de l'autre, il y en a 10. C'est pas juste dans le poids que ça a dans le budget de la commune, c'est pas juste dans le service public de sécurité qui est rendu et de sûreté qui peut être rendu, etc. Bon, donc mieux répartis sur le territoire. Et on aurait ainsi des effectifs de police nationale qui pourraient avoir leur mutation d'une commune à l'autre, qui ne restent pas tout le temps sur la même ville, puisque ça peut poser d'autres problématiques, évidemment, comme chacun sait, de corruption, même si c'est à un petit niveau. Et donc, de se dire que finalement, on pourrait, en réformant tout le reste de la police nationale, hein, avoir aussi des garanties de contrôle, puisqu'il n'y a pas, autant on peut critiquer l'IGPN pour la police, mais il n'y a pas d'IGPM, il n'y a pas d'inspection générale de la police municipale, il n'y a pas de truc d'enquête interne, etc. C'est la commune qui gère ça en fait en réalité. Il y a le CNFPT qui a quelques missions, puisqu'ils dépendent du CNFPT, du Centre national de formation de la fonction publique territoriale. Vous pouvez saisir le défenseur des droits qui fait le contrôle externe de la sécurité, en fait, et du coup, police nationale, police municipale et sécurité privée, mais en fait, d'expérience, le défenseur des droits reçoit très peu de plaintes. Déjà, il n'en reçoit pas beaucoup. Il en reçoit beaucoup par rapport aux moyens qu'il a. Mais il ne leur reçoit pas beaucoup dans l'absolu par rapport à l'étendue de ce qu'on pourrait avoir à reprocher dans les activités de police au quotidien. Par contre, il en reçoit extrêmement peu sur la police nationale et quasiment pas du tout sur les agents de sécurité privée. Enfin, qui sait s'il s'embrouille avec un agent de sécurité privée à l'entrée d'un bar ou d'une boîte de nuit. Bon, en ce moment, c'est plus compliqué vu que c'est fermé, mais quand on s'embrouille, est-ce que les gens savent qu'ils peuvent protester auprès du défenseur des droits? Non, personne ne le sait, personne n'est au courant. Voilà, en réalité, voilà. Ça posera d'autres problématiques derrière. Mais donc, une police nationale républicaine de proximité permettrait d'avoir ça et d'avoir une double autorité, une véritable double autorité sur les policiers, à la fois le maire, puisque pour nous, dans notre esprit, ils sont affectés à une commune et même à un quartier en fonction de la taille. Donc le maire sait qui sont les policiers dans son coin. Les policiers, ils savent qui ils ont, quels sont les gens qui habitent là, et ils connaissent le maire. Et donc, on aurait par ailleurs aussi réformé les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, les CLSPD ou les CIPD quand ils sont intercommunaux,
pour faire en sorte qu'au moins une fois par an, il puisse y avoir des réunions plénières avec les habitants qui habitent là, pour qu'ils puissent dire de quoi ils ont besoin en matière de sûreté et de sécurité. Quelles sont leurs problématiques, comment ils voient les choses. Bon. Avec non pas les chefs à plumes de la police qui viennent là, et les chefs à plumes de différents trucs, mais bien les policiers affectés à ce territoire-là. Bien sûr, le chef sera là parce que c'est important que le chef soit là, mais au moins les gens de terrain, qu'on puisse avoir en fait, au final un triple contrôle, hein, le contrôle ministère de l'Intérieur, le contrôle du maire et le contrôle direct citoyen. Voilà. Et tout ça bah, voilà, en garantissant l'égalité sur le territoire national, puisque c'est le même code pénal, le même code de procédure pénale, et qu'il n'y a pas à avoir, en fonction des communes, une distinction à opérer de la sorte. Voilà, je suis rentré pas mal dans le détail de la police municipale, mais ça me semble important parce que ce truc de police nationale républicaine de proximité, c'était, on l'avait déjà mis en fait dans le programme en 2017, et ça prend une autre résonance. Et je les ai vus d'ailleurs à chaque fois que j'ai posé ça comme principe dans le débat et essayé de les taquiner dans l'hémicycle là-dessus, j'ai eu aucune réponse. Ils m'ont pas dit oui, c'est un scandale ce que vous proposez, ça arrive à rien, c'est nul. Enfin, il n'y a rien eu en fait. Ils ont... Pourtant, je ne l'ai pas dit qu'une seule fois, vous connaissez, je répète. Inlassablement, autant que de besoin, les arguments. Et donc, j'ai vu que, y compris certains collègues, même de La République En Marche, en off, à la buvette ou dans les couloirs, ont dit ah, c'est intéressant ton truc là, et tout. Bon, voilà. Mais oui, parce qu'à la fin, au final, ça revient à ça. On transforme les polices municipales en policiers nationaux avec les mêmes compétences, avec accès aux fichiers, une arme à feu, les uniformes qui se ressemblent. Tout se ressemble. Bien sûr, ils n'ont pas exactement la même étendue des pouvoirs, mais tout se ressemble. Par contre, il y a un truc qui ne se ressemble pas, c'est qu'ils sont sous l'autorité du maire avec tout ce que ça peut comporter comme inégalité et arbitraire. Et que nous, on était d'ailleurs dans le livret, par contre, on laisserait au maire, je le dis tout de suite, les ASVP, agents de surveillance de la voie publique, et les gardes champêtres. Gardes champêtres qui sont des gens intéressants parce qu'ils sont, eux, officiers de police judiciaire, mais uniquement sur le domaine de compétence des infractions au code de l'environnement. Code de l'environnement, code de la chasse, code de la pêche, code de maritime aussi, je crois. Enfin, tout ce qui a trait à l'environnement, on s'en charge. Et donc, ils peuvent mener des enquêtes importantes. Notamment en milieu urbain, on se dit que garde champêtre, c'est fait pour les petites communes, mais non, y compris en milieu urbain, les dépôts d'ordures sauvages, une usine qui balance des trucs chelous dans le cours d'eau, etc. Voilà, ça pourrait être, parce que souvent, en fait, les enquêtes ne sont pas faites. Ça n'avance pas, ça n'avance jamais. Donc là, je vois un intérêt. À la main du maire parce qu'il connaît son territoire et les trucs qui lui remontent, etc., d'avoir ce genre de personnel. De personnel. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a l'article premier, donc c'est ça. Bon, les 1 bis, 2, 3, c'est des trucs pas très intéressants. Tac, tac, tac. Et évidemment, après, on arrive très vite sur l'article 4. L'article 4, création d'une police municipale à Paris. Alors, on était les seuls à s'opposer. Alors là, pour le coup, on était vraiment les seuls. Il n'y avait que la France Insoumise pour s'opposer à la création d'une police municipale à Paris. Je ne vous refais pas les arguments que je viens de développer juste avant, qui abondent aussi dans le fait de ne pas créer une police municipale à Paris, évidemment, mais aussi parce que Paris, c'est la ville où il y a le plus de policiers nationaux par habitant. Donc, si là, on pense qu'il faut filer des missions de police municipale parce que la police nationale n'est pas disponible et pas en capacité de traiter. Si là on n'y arrive pas, on n'y arrivera nulle part, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, on n'y arrivera nulle part, embaucher des policiers municipaux, on va se décharger sur vous, etc. Bon. Alors même que ça n'a aucun impact en fait sur la délinquance, l'incivilité et tout ça, au passage, hein, le dit en passant. Enfin, impact marginal. Donc, ils créent cette police municipale, c'était une promesse qu'ils avaient faite à Hidalgo, à République En Marche, et. Je ne vais pas dire que c'est du clientélisme, mais quand même, ça y ressemble, évidemment beaucoup. Et puis surtout, peut-être, c'est peut-être ça qui a, entre autres, hein, motivé Anne Hidalgo à être plutôt d'accord avec ce texte. Une hypothèse, hein, comme ça. Bon, moi, si j'avais été elle, je ne serais pas allé jusqu'à dire que j'étais pour l'article 24 sur le fait de d'interdire la diffusion des images des policiers, mais bon, du coup, ça a dû la motiver pas mal, la création de cette police municipale. Ensuite, il y a des trucs de seuil, etc. Bon, je vous passe le détail sur les articles 6, 6, 6 bis A, etc. Non, c'est vraiment pas très important, ni très intéressant.
Il y a des trucs sur la mobilisation des forces de sécurité intérieure, dans le code de sécurité intérieure, sur les catastrophes naturelles, où vous pouvez mobiliser les policiers municipaux de la commune d'à côté. Bon, c'est des petits trucs comme ça. Hein. Bon, c'est bien, ça mange pas de pain, mais ça révolutionne pas le fonctionnement, alors que l'expérimentation et la police municipale à Paris, oui. Si, il y a quand même la création, la possibilité de créer des brigades cynophiles de police municipale. Donc là, c'est pareil, on monte d'un cran dans la capacité répressive. Alors bien sûr, on vous dira, hein, les maîtres chiens, c'est de la dissuasion et donc de la prévention. Voilà, c'est comme la vertu préventive de la sanction, c'est augmentant les... Bon, bref, il y a une grande confusion chez nos amis de La République En Marche, et pas que d'ailleurs, entre prévention et répression, puisqu'ils vous disent que la répression a une vertu préventive. Donc à partir de là, circuler, il n'y a rien à voir, alors que la prévention n'a pas de vertu répressive. Là, il manque de peau. Donc, forcément, la prévention c'est mal et la répression c'est bien. On arrive au titre 2, sécurité privée. Bon, alors je ne vais pas vous raconter des carabistouilles. Ce n'est pas la privatisation de la sécurité. C'est pas, on n'est pas au, c'est pas, il n'y a rien qui va dans le sens, enfin qui va dans le sens. Ça peut, c'est ça pose des jalons, mais il n'y a rien qui permettrait de faire comme ce qui se passe aux États-Unis, que vous ayez clairement, hein, des agents de sécurité privée chargés d'une mission de service public de sécurité publique, en tant que tel, pouvant patrouiller dans la rue et interpeller. Après, encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'article 73 du Code de procédure pénale permet déjà à tout citoyen et donc au policier municipal et donc à l'agent de sécurité privée d'interpeller quelqu'un qui commet un crime ou un délit. Je vous le rappelle. Mais, néanmoins, cette partie sur la sécurité privée, alors déjà, il y a 2 ordonnances, au passage, pour modifier les conditions de recrutement et de formation des agents de sécurité privée. Et comme eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils mettraient à l'ordonnance, je vous renvoie à ce qui s'est dit dans l'hémicycle, ils ont dit oui, mais si, on va l'améliorer. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ok. La dernière fois qu'ils nous ont dit qu'ils allaient améliorer la justice pénale des mineurs, on a vu le résultat. Je vous renvoie à ma bataille de la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon. La semaine dernière, je sais plus, ça va trop vite, la semaine dernière, dans l'hémicycle sur le sujet. Et l'ordonnance pour réformer le CNAPS. Parce que bon, comment le CNAPS, c'est le Conseil national des activités privées de sécurité. Alors d'habitude, on dit sécurité privée, mais là, ils ont dit privée de sécurité parce que CNASP, c'était plus dur à dire que CNAPS. Enfin, c'est une hypothèse que je mets comme ça sur la table, voilà, au passage de cette analyse. Et donc, le CNAPS, c'est important parce que c'est l'organisme de régulation, en fait, de contrôle et de régulation des activités de sécurité privée. C'est-à-dire que c'est eux qui sont concrètement chargés d'aller vérifier les boîtes de sécurité privée si elles respectent la réglementation. Alors parce que en plus, la sécurité privée, je vous le dis tout de suite, c'est déjà un paquet de monde, mais il y a quand même une différence, je crois qu'on est pas loin de 240 000 personnes. Je vous ai servi le nez, mais ça, de toute façon, ça va augmenter tellement vite. C'est-à-dire autant que la police nationale et la gendarmerie nationale. C'est peut-être même encore plus. Parce qu'après, alors, donc ça, je vous parle des agents de sécurité privée. Vous savez, le vigile, le qui est là au supermarché, en boîte de nuit, etc. Et après, il y a la sécurité privée dans son intégralité qui comprend la cybersécurité, par exemple, les gens qui vous vendent des caméras de vidéosurveillance. Ça peut être des trucs qui détectent les empreintes digitales, ceux qui font de la sécurisation des badges. Enfin, c'est de la sécurité privée, c'est. C'est pas juste le vigile, quoi. Hein, voilà, je le dis tout de suite. Y compris, il peut y avoir pour un certain nombre de bâtiments privés, la sécurité incendie. Donc, c'est tout un ensemble beaucoup plus grand. Et donc, le CNAPS, c'est l'organisme qui est chargé de réguler tout ça. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2018, donc vraiment pas vieux, qui pointait que c'était le bordel. C'était le bordel, que le CNAPS n'avait pas du tout les moyens d'assurer ses contrôles et que, ne serait-ce que pour les agents de sécurité privée, finalement, il n'y avait pas de fichier à jour de qui avait une carte d'agent de sécurité privée à jour. Il y a une distorsion non négligeable entre le nombre d'agents officiellement et le nombre de cartes en circulation. Enfin bref. D'ailleurs, ils ont redurci tout ça, non pas parce qu'ils trouvaient que c'était problématique au fond, je n'avais rien foutu depuis des années. Mais là, en matière de terrorisme, ils se sont dit, ah ouais, mais quand même, s'il y a un agent de sécurité privée qui est radicalisé, qui veut se faire sauter ou buter quelqu'un, du coup, comme il a un truc marqué sécurité sur lui, il peut peut-être se balader dans les endroits où les autres ne peuvent pas aller, c'est peut-être un problème. Donc, il faudrait qu'on renforce tout ça.
Bon. Et d'ailleurs, c'est ça, en fait, hein, la philosophie qui a irrigué et qui irrigue la question de sécurité privée. Moins de police municipale, parce que sur l'armement, ils l'ont déjà utilisé, et voilà, c'est l'argument. Ils le remettent hein, sur la table, mais vraiment, la question du terrorisme, c'est un truc, c'est le fil rouge permanent qui permet de monter d'un cran. Ce qu'on appelle l'effet cliqué en matière pénale et en matière sécuritaire. Bon. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce CNAPS après ce rapport de la Cour des comptes? Bah, rien, qu'il va faire une ordonnance pour le modifier. Oh, ok, bon tact. Nous, on avait fait un amendement, par exemple, pour dire qu'au CNAPS, il y ait dans le conseil d'administration deux droits, et puis si j'ai deux droits, le défenseur des droits. Parce que je vous ai dit, c'est lui qui gère la déontologie de la sécurité. On a dit, oh non, constitution, c'est pas constitutionnel. Ce sont des menteurs. Mais c'est pas grave, ils ont rejeté notre amendement, mais ça faisait partie des idées. Et comment on peut faire finalement pour... Parce que, on va le dire comme ça, je suis pas, je n'ai pas de problème avec la sécurité privée. Enfin, je m'en fous qu'il y ait la sécurité privée. Non, mais je le dis très tranquillement parce que souvent on nous dit, oui, vous êtes pour le service public et contre le privé. Mais non, je m'en fous. Enfin, qu'il y ait un vigile au supermarché qui soit payé par le supermarché, ça me va très bien. C'est pas de souci, c'est pas de difficulté avec ça. Je veux juste pas qu'il puisse faire n'importe quoi comme un policier municipal ou un policier national. Voilà, c'est ça. Par contre, c'est clair que je veux pas qu'ils aient les mêmes missions. Non, mais faut se mettre sur. C'est important ça de faire la distinction, hein. Parce que encore une fois, on va pas mettre des policiers nationaux pour patrouiller dans le supermarché s'il y en a un qui vole un truc, quoi. Ça n'a pas de sens. Non, mais je dis bon, vaut mieux le dire. Au moins comme ça, c'est dit, c'est plus clair. Donc, il est nécessaire pour autant de réguler ces activités parce que les agents de sécurité privée, ben, ils représentent une certaine forme d'autorité et puis ils sont en relation avec les policiers. Et puis, si je reprends l'exemple du supermarché, si quelqu'un a commis un vol, au même titre de l'article 73, plus souvent peut-être que d'autres, comme le citoyen lambda en juste au corps avec sa cape, va être amené à appréhender des gens. Donc, on aimerait bien qu'ils soient un minimum formés à ce qu'ils ont le droit de faire et pas le droit de faire. Et le CNAPS est censé charger de superviser tout ça. Et en fait, il y avait une taxe, je vous profite de ce moment-là pour vous dire ça, parce qu'il y avait une taxe qui existait, qui était ponctionnée sur toute entreprise qui est dans le secteur de la sécurité privée. Et cette taxe était censée être affectée pour financer le CNAPS. Et alors, c'est la Fédération française de sécurité privée, c'est donc une association, une sorte de syndicat patronal des activités de sécurité privée que j'ai rencontré, qui m'ont dit, monsieur le député, vous savez, il y avait cette taxe qui existait, et en fait, déjà avant, quand la taxe elle avait un rendement de 30 millions, je vais arrondir comme ça, en gros, quand elle avait un rendement de 30 millions, en fait, il y avait 15 millions pour le CNAPS, et les 15 autres millions allaient au budget général de l'État. Ah, je suis dit, bah, vous êtes bien fait avoir, alors. Comme des bleus. Hein. Elle a dit, oui, non, mais on a râlé et tout, et du coup, il y a le problème, c'est que jusqu'à présent, on revendiquait que l'intégralité de cette taxe IOCNAPS, on avait une revendication, mais maintenant on ne peut même plus l'avoir puisque en 2018 ils ont supprimé cette taxe. Dans le PLF 2018, il y a eu plein de petites. C'était le grand plan, on va supprimer les petites taxes inutiles. Ben celle-là, elle était dedans. Et donc maintenant, le CNAPS est financé directement par le budget de l'État. Ce qui en soit, pareil, je m'en fiche, juste ils n'ont pas augmenté les financements. On aurait pu se dire, ben, c'était l'occasion pour avoir enfin les moyens pour donner au CNAPS, mais non. Donc, ce qui fait que vous avez aujourd'hui la Fédération française de sécurité privée qui réclame le retour de cette taxe et qu'elle soit affectée à 100% au CNAPS. Il pourrait y avoir un surplus de l'État encore en plus de cette taxe, mais qu'au moins cette taxe, elle soit. Donc, je vous livre cette information. On l'a dit dans l'hémicycle parce que ce n'est pas tous les jours. C'est eux qui m'ont dit, monsieur le député, vous pourrez dire que quand même, ce n'est pas tous les jours qu'un patron vous réclame une taxe. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'un patron nous réclame une taxe. Donc, j'en prends bonne note. Le moment venu, nous rétablirons cette taxe pour financer le CNAPS à la hauteur des enjeux. Et eux-mêmes sont pour qu'il y ait davantage de contrôle. Pourquoi ? Soit plus bec que les autres. À chaque fois que vous avez un secteur qui n'est pas régulé comme celui-là, où vous avez des agents de sécurité privée qui travaillent au noir, qui sont des travailleurs qui n'ont pas de papier, etc., ça tire vers le bas, effectivement, le marché, les prix et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est de la concurrence déloyale. Donc, forcément, ils ont beau être des patrons, ils sont pour remettre en place cette taxe et cet organisme de régulation, puisqu'ils y voient bien leur intérêt. Puisqu'en fait, dans ce secteur, il y a énormément de travail dissimulé. Énormément, énormément. Voilà, c'est pointé aussi par la Cour des comptes, par les URSSAF et compagnie. Donc, c'est clair qu'il y a besoin de davantage de contrôle. Est-ce que cette loi y répond? Non. Par contre, ils ont permis aux agents du CNAPS
de faire des trucs qu'il ne pouvait pas faire avant et qui se rapproche des compétences d'un policier national pour interpeller un agent de sécurité privée qui travaille au noir, par exemple. Bon, c'est un peu, on rentre un peu dans le détail, mais c'est à noter qu'ils ont quand même augmenté les missions des agents du CNAPS chargés du contrôle des agents de sécurité privée. Ça ouvrira peut-être la piste à d'autres trucs. Et ils ont changé alors donc sur les conditions pour devenir agent de sécurité privée aussi, parce que ça, c'est pas dans l'ordonnance. Il y a des trucs qui sont dans le dur, et donc il faut être pas français, il faut être sur le territoire national depuis au moins 5 ans, si vous avez un titre de séjour. Condition qui n'existait pas avant. J'ai une demande d'asile, vous avez l'asile, vous ne trouvez pas de boulot, vous êtes agent de sécurité privée, bon voilà, vous êtes agent de sécurité privée, fin d'histoire. Là, ils mettent une condition de 5 ans, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un terroriste. Et que si ça ne fait pas 5 ans qu'il est là, et ben si on le passe au fichier, on le crible, hein, pour savoir se faire l'enquête de moralité ou voir s'il n'y a pas de souci. Ben, s'il vient d'arriver, on ne le connaît pas. Donc, il faut mettre un délai de 5 ans. Bon, alors, du coup, nous, il y a des gens qui ont fait des amendements pour dire ben non, 3 ans, d'autres qui ont dit 10 ans. Ben, c'est délirant, en fait. C'est juste discriminatoire du fait de la nationalité. On a Il y a aujourd'hui des discriminations en fonction de la nationalité pour entrer dans la fonction publique. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire dans un certain nombre de corps de métier, etc., si vous n'êtes pas de nationalité française. Mais ça, c'est restreint d'année en année. Et c'est assumé dans la loi pour des raisons qu'on peut comprendre, même si, bon, si on mettait tout ça sur le fond, il y aurait peut-être matière à débat. Mais là, on parle d'agents de sécurité privés. On ne parle pas de fonctionnaires, quoi. De où on va mettre une condition d'être de là depuis 5 ans sur le territoire. Enfin, vous voyez, le délire sécuritaire en matière de terrorisme, comment il vient pénétrer les textes jusque dans ce niveau de détail. Bon, alors, et puis il faut qu'ils soient d'accord avec les valeurs de la République. Je crois qu'on a rajouté ce machin, enfin, leur délire de valeurs de la République. Moi, je suis pour les valeurs de la République, mais comme ils les définissent jamais dans leur texte, c'est ça qui m'inquiète un peu. Si c'est les valeurs de Darmanin, ça peut être problématique. Donc, ça, c'est pour les agents de sécurité privée. Il y a un petit truc qui est étant leur mission. Regarde, non, ça c'est pas intéressant. Alors, on a rajouté un truc sur le respect du bien-être animal. Ça va être pour les maîtres chiens, ça. Bon, voilà, au passage, article 11 terre. L'article 12, 13. Bon, on arrive assez vite du coup sur l'article 14 qui fait parce qu'en fait, c'est une vieille loi qui date, hein, des années 80. Qui dit que les agents de sécurité privée, c'était pour ce qui se passait dans les halles des marchés. Il y avait souvent des vagabonds, des petits voleurs, etc. Les policiers n'étaient pas toujours là. Et donc, on a fait en sorte que pour prévenir les vols, les vigiles privés qui étaient là pouvaient faire des rondes autour du commerce pour prévenir les vols, etc. Parce que normalement, en fait, en gros, un agent de sécurité privée, vous schématisez, il y a un bâtiment avec du grillage. Voilà. Il doit être à l'intérieur du grillage. Il n'est plus agent de sécurité privée, par exemple, il va sur le trottoir. Quoi. Une mission de sécurité privée. On peut s'en douter. Mais à l'heure actuelle, dans la loi, il est dit que autour du lieu que vous avez à protéger, vous pouvez encore faire votre mission de sécurité privée à partir du moment où ça vise à empêcher la dégradation du bien que vous avez à surveiller, etc. Donc les abords. Donc sur la voie publique. Voilà ce qui cadre le fait qu'un agent de sécurité privée puisse être sur la voie publique. Et ils ont rajouté à cet article 613-1 du Code de la sécurité intérieure, je vais le retrouver, qui a déjà été modifié puisque c'est celui-là même qui a confié des missions aux agents de sécurité privée dans le cadre de ce qu'on a appelé les fan zones. Vous vous souvenez, la loi sécurité intérieure lutte contre le terrorisme qui a mis dans la loi définitivement ce qui était prévu par l'état d'urgence tout court, pas sanitaire, l'état d'urgence tout court après les attentats de 2015, pour faire en sorte que dans les fan zones, en fait, c'est la sécurisation périmétrique, qu'il puisse y avoir des agents de sécurité privés et pas juste des policiers nationaux et municipaux qui puissent fouiller les gens à l'entrée d'un marché de Noël, de machin, de ce que vous voulez, etc. Bon. Donc, c'est déjà dans cet article-là. Et donc, le 613-1 dit.
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1 du... Enfin, les agents de sécurité privée, en gros, ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments et dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les paramètres de protection, y compris donc les périmètres de protection 226-1, c'est ce que je viens de vous parler, des fan zones. À cela est ajouté, 613-1, à titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés par le représentant de l'État dans le département ou à Paris, le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations, effractions visant les biens dont ils ont la garde. C'est ce que je venais de vous expliquer. Et ce petit article 14 de la loi sécurité globale vient rajouter, donc dégradation, effraction, et vient ajouter, et acte de terrorisme. Donc la phrase, ça fait, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations, effraction et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde. Donc c'est toujours vis-à-vis des biens dont ils ont la garde, on est d'accord, mais on vient leur coller là à cette mission de lutte contre le terrorisme. Prévention des actes de terrorisme, en se baladant sur la voie publique. Bon, bref. Donc vous voyez le délire, mais ils l'ont rajouté. Parce que, ben, à ce jeu-là, évidemment, vous êtes agent de sécurité privée, enfin, vous êtes une entreprise, vous avez une boîte de sécurité privée, vous avez des agents de sécurité privée, vous dites, ben, je suis un site potentiellement ceci, peut-être qu'un terroriste pourrait venir m'attaquer, donc j'ai besoin d'agents qui sont là, j'ai besoin qu'ils aient des armes, potentiellement par dérogation des armes à feu, etc. Et vous voyez comment, ben, voilà, en mettant acte de terrorisme ici ou là, on vient augmenter le niveau de potentiel d'armement et le niveau sécuritaire. Donc ça, c'était un article qui était très important. Ils ont juste rajouté avec le terrorisme, et pourtant, vous voyez qu'on change de philosophie. Alors après, non, c'est bon. Après, ça, c'est des points de détail. Ils veulent uniformiser l'uniforme, pour ainsi dire, des agents de sécurité privée. Ce qui est un autre problème, parce que moi, je ne suis pas chaud pour qu'ils aient... Parce que la loi, elle doit déjà dire qu'ils ont des signes distinctifs marqués sécurité privée. C'est déjà le cas. Faut arrêter de croire qu'on est en train d'inventer des trucs de ouf. Hein. C'est déjà le cas. Mais là, ils veulent imposer une uniformisation des uniformes des agents de sécurité privée. Donc, soit ça prépare vraiment d'avoir une troisième force de sécurité privée, y compris pour... parce que la sécurité périmétrique, vous savez qu'il y a des quartiers un peu ghetto aussi, ghetto de riches, où il y a une sécurisation périmétrique, des barrières pour rentrer dans un quartier tout entier, hein, où il y a des habitations, etc. Et vous avez déjà des agents de sécurité privés qui sont là. On peut imaginer qu'ils fassent effectivement des missions demain un peu plus en avant quasi police municipale, sur ces périmètres de ghetto de riches, quoi. Et demain avec des armes à feu, parce qu'on ne sait jamais, des terroristes, vous voyez bien. Donc la pente est prise. En tout cas, ça va dans cette direction-là, mais attention, c'est pas vrai qu'avec cette loi, demain, vous aurez des milices privées qui feront de la sécurité publique. Hein, ça sert à rien de pointer des choses qui ne sont pas encore advenues. Alors, ils nous remettent un rapport, ça c'est article 18, 19. Est-ce qu'il est où mon truc? Il l'a mis plus loin. Dans Fauvergue, il l'a mis plus loin, son truc, à disposition diverse. Je ne sais plus à quel article c'est. Sur son truc de... comment je peux retrouver ça? Police nationale. Police nationale. Parce qu'il a mis un article, Jean-Michel Fauvergue, taillé sur mesure pour lui. Et je crois que c'est dans les trucs de sécurité privée. Oui, c'est ça, voilà, article 15. C'est bien ce titre-là. Je voulais pas l'oublier quand même, parce que pas une si bonne occasion de taper sur Jean-Michel Fauvergue, quand même. Vous avez peut-être vu dans le Canard enchaîné, Street Press l'a couvert aussi, et quelques autres médias, qu'il y avait cet article 15, assez étrange, qui dit, alors je vous fais la traduction après, hein, par dérogation au premier alinéa de l'article L161-22 du Code de la Sécurité sociale, donc déjà, quand vous... Ouais, bah c'est ça qu'on se tape, hein, quand même, parce qu'après, pour faire des renvois, il faut aller regarder ce que c'est. Hein, c'est ça la vie aussi de député. C'est des phrases qui commencent comme ça. Ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L84 et au second alinéa de l'article L85 du présent code, bah oui, bah voilà, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L611-1. Donc l'article L611-1, c'est agent de sécurité privée. Donc les revenus, je vous traite, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité de sécurité privée peuvent être entièrement cumulés avec la pension s'agissant des retraités des catégories actives de la police nationale. Alors, les catégories actives de la police nationale, ce sont en gros les policiers qui sont sur le terrain, parce que moi, je suis
J'étais catégorie pas active de la police nationale, puisque les gommeux, les fameux gommeux, comme l'a dit Jean-Michel Fauvergue dans l'hémicycle, enfin, j'ai découvert hein, ce truc, ça, j'avais jamais entendu parler, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les gommeux, ceux qui ont une gomme et avec une gomme sur un papier, voilà, parce qu'ils font de l'administratif. Ça, c'est dans la vision de Jean-Michel Fauvergue. Hein. Il était policier du raid, il faut l'excuser. Personne ne peut, enfin, on peut pas avoir toutes les qualités du monde. Hein. Alors moi, je me suis dit, mais comment ça, ils peuvent cumuler, c'est quoi ce truc? De quoi on parle de dérogation 1, hein, code de la sécurité sociale? Donc je suis allé voir, en fait. Hein. En réalité, c'est dans le code de la sécurité sociale, c'est une disposition qui s'applique à tous les fonctionnaires. Quand vous êtes fonctionnaire, vous partez en retraite. Si vous voulez continuer à bosser en plus dans le privé alors que vous êtes en retraite, vous pouvez, mais dans la limite d'un plafond. Alors, j'ai plus le détail exact du calcul, mais en gros, il y a un plafond. Si vous l'atteignez, ce plafond, en fait, donc en gros là, vous avez votre pension, il y a le plafond. Donc si vous gagnez ça, la moitié de votre pension, bah, c'est bon, vous pouvez cumuler. Là, vous pouvez cumuler. Par contre, si vous dépassez le plafond, c'est pas que vous ne pouvez pas être payé plus, c'est qu'on vient vous le déduire de votre pension. En disant, bah, ouais, c'est bon, quoi. On paye la retraite, moi qui. Bon, voilà, quoi. C'est pas possible. Bon. Donc, c'est ça. Et donc là, cet article, il dit, en gros, vous avez ce que vous gagnez, le plafond qui était là, et ben, pouf, plus de plafond. Donc, vous pouvez continuer à être payé autant que vous voulez. Alors, Jean-Michel Fauvergue, il nous dit que ça a été inventé pour les JO de 2024. Pourquoi? Parce qu'on va manquer d'agents de sécurité privée pour 2024. Oui, ben, bien sûr, il n'y a pas suffisamment de chômeurs dans ce pays. Hein. Puis, il dit, en 4 ans, on ne va pas réussir à les former, ça va arriver extrêmement vite. Donc, il faut permettre aux policiers nationaux, puisque ça ne concerne que la police nationale, que la police nationale à la retraite, il faut leur permettre pour arrondir leur fin de mois d'aller bosser comme agent de sécurité privée pour pas les en dissuader. Il faut qu'ils puissent cumuler à fond avec leur pension. Bon, déjà c'est scandaleux vis-à-vis des autres fonctionnaires, hein, premièrement. Deuxièmement, ça va, enfin en vrai, celui qui va faire agent de sécurité privée en plus de ça, il va pas dépasser le plafond. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Lui, il sera pas concerné. Il n'arrivera même pas à atteindre le montant pour pas que ça prenne sur sa pension. Donc, à moins qu'on nous ait menti sur le salaire des agents de sécurité privée, mais je ne le crois pas. Donc, à qui ça pourrait être utile? Eh ben, peut-être à des retraités de la police qui avaient des fonctions de commandement, genre des commissaires, par exemple. Genre, par exemple, Jean-Michel Fauvergue, qui a, par exemple, parce qu'en 2019, il a ouvert une société pour faire de la formation dans la sécurité privée, par exemple, c'est étrange quand même, tout ça est très très bizarre, et qu'effectivement, lui, quand il va se faire payer ses conférences de formation, puisqu'on n'a plus le droit de faire d'activité de conseil en tant que parlementaire, donc lui, il fait de la formation, hein, nuance, vous avez remarqué. J'ai retenu quand même hein, pour moi plus tard quand je serai grand, si je veux, hein, quoi, on sait jamais. Et donc, le mec s'est fait un article pour pouvoir, en gros, conserver sa retraite et être payé plein pot ses conférences de formation sur la sécurité privée. Non, mais c'est un dingue. C'est un dingue. Enfin, voilà, je voulais vous le dire parce que ça me paraissait suffisamment. Donc, le canard enchaîné, on en a parlé, Street Press, etc. J'ai pas encore pris le temps de saisir la déontologue. Je crois qu'il y en a. Elle n'est pas encore nommée, le nouveau déontologue n'est pas encore arrivé. La précédente est partie à la fac à Sorbonne, je crois. Mais sur ce point, Hugo, est-ce Oui, qu'il n'y a pas une Alexandre. rupture, est-ce qu'il n'y a pas une rupture d'égalité, justement, qui se fait, puisque ça vise qu'une certaine catégorie de fonctionnaires, alors que tous les autres en sont exclus? Est-ce que, du coup, tu ne penses pas qu'il y a un risque constitutionnel sur le sujet? Si, enfin, ce sera soulevé, on le soulèvera, ça fera partie des choses qu'on soulèvera dans le recours au Conseil constitutionnel. Enfin, je dis qu'on va souhaiter soulever, parce qu'il va falloir voir si les autres nous suivent. Est-ce que les socialistes seront d'accord pour soulever? Parce que quand vous faites un recours au Conseil constitutionnel, je fais une petite parenthèse, vous attaquez des articles du texte, et pour des motifs particuliers. Il n'y a qu'un seul contrôle qui est fait par le Conseil constitutionnel dès qu'il a une saisine sur l'intégralité du texte, c'est sur la question de savoir s'il y a des cavaliers ou pas, législatifs. Donc, est-ce qu'il y a des sujets qui n'ont rien à voir avec le texte, pour faire sauter? Mais sinon, si on ne soulève pas une inconstitutionnalité à un article, si on ne dit pas dans notre cours, à l'article 16, non, 15, pardon, on pense qu'il y a un problème d'égalité, etc., une rupture d'égalité, donc s'il n'est pas dans le cours, si les socialistes ne sont pas d'accord et les communistes ne sont pas d'accord qu'on soulève ça, ben on le soulèvera, on ne pourra pas le soulever, quoi. Donc, moi, je souhaite qu'on le fasse, mais j'en sais rien pour l'instant. Peut-être que je me fais des fausses idées, hein, que ça roulera, hein, mais bon.
Donc on le soulèvera. Alors après, que dira le Conseil constitutionnel? Il a deux choix. Hein. Soit il dit effectivement rupture d'égalité, c'est dégueulasse pour les autres fonctionnaires. Soit il dit j'émets une réserve parce que certes, c'est une rupture d'égalité vis-à-vis des autres fonctionnaires, mais par contre, tous les fonctionnaires de la police nationale y ont droit. Et pas, c'est pas suffisamment discriminant pour être problématique, et c'est une exception, c'est rédigé en tant que tel, c'est la volonté du législateur, etc. Moi, je mise pas, hein, sur ces trucs-là, je mise pas. J'en sais rien. Je prends pas les paris, j'en sais rien. On verra. Mais oui, c'est un vrai problème de constitutionnalité. Pas pour moi, en tout cas, si j'étais membre du Conseil constitutionnel, tout ça, ça giclerait comme beaucoup d'éléments de ce texte. D'ailleurs. Voilà, j'en ai fini sur la sécurité privée parce que je vous ai tout dit. Donc, si, il y a un truc qui a rajouté, pardon, c'est que si on s'en prend à un agent de sécurité privée, eh ben on prendra plus cher. D'un point de vue pénal. Et c'est toujours la fameuse vertu préventive de la sanction. Parce que, évidemment, vous le savez, quelqu'un qui s'embrouille avec un vigile, il est là, il a son code pénal, il est là, il est ouvert. Hein. Il dit, attends, bouge pas, je vais te mettre une droite, c'est bon, je peux prendre qu'un an maximum. Non, évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Donc c'est crétin, mais c'est pas grave. Ça va nous faire d'autres problèmes pour les gens qui seront incarcérés de ce fait-là en prison, puisqu'ils auront pu accéder à un certain nombre de dispositifs pour éviter d'être dans une situation de récidive. Mais bon, ça, c'est pas leur problème, puisque leur problème, c'était de montrer qu'on a les gros bras. Ce qui, moi, me saoulait, parce que les mêmes membres de la commission des lois de la République en marche qui sont avec moi et qui nous disent « Ah, il faut pas mettre les gens trop en prison, il faut des alternatives à l'incarcération, il faut des aménagements de peine, c'est ça qui marche, c'est ça qui est trop bien. » Les mêmes, j'allais dire crétins, mais oui, les mêmes crétins, ensuite, votent ce genre d'article de loi qui vient faire absolument tout le contraire. Ça me saoule, mais c'est pas grave. On arrive, j'ai déjà passé une heure à vous parler du titre 1 et du titre 2. Et je suis content parce que finalement, c'est de ça dont on a le moins parlé dans la presse, etc. Et donc, c'est les sujets sur lesquels vous en saviez le moins et où maintenant, vous en saurez le plus. On va passer à la suite. Et du coup, je vais essayer d'accélérer un petit peu puisqu'on est sur les histoires de vidéoprotection et captation d'images. Alors là, je vais faire simple parce que c'est ça et que je n'ai pas besoin de me prendre trop la tête à rentrer dans le détail. C'est qu'en gros, avec les différentes dispositions qu'ils ont prises, il pourra être transmis sur un centre de commandement en temps réel à tout moment les captations d'images prises par les caméras de vidéosurveillance des communes, les caméras piétons des nouvelles qui pourront filmer et transmettre en direct donc sur le torse hein, des agents, plein de caméras, les caméras des drones, puisqu'ils font en sorte que donc ils légalisent l'usage, enfin, ils le faisaient déjà, mais ils encadrent, on va dire, je mets des grosses guillemets sur l'encadrement, on y reviendra après, l'usage des drones, qui pourront aussi être transmis au centre de commandement. Par convention, ils pourront aussi, avec des bailleurs, retransmettre les images des caméras de cage d'escalier quand il y a une caméra, par exemple, on pourrait imaginer que ce soit un parking, ce que vous voulez. J'oublie évidemment les caméras des services de transport en commun. Donc, c'est-à-dire, en fait, à part les caméras qu'il y a dans les magasins, toutes les autres caméras pourront être raccordées en temps réel pour être là dans un centre de commandement. Moi, je vous dis, parce que j'y avais jamais vraiment joué, et j'ai acheté et téléchargé le dernier Watch Dogs, qui est un jeu développé par Ubisoft, dont le scénario, c'est qu'on est filmé et pisté tout le temps par nos téléphones, par des caméras, par des drones, et que vous devez faire la révolution contre une société totalitaire qui démanteler tous ces outils technologiques pour que les gens regagnent leur liberté. C'est bien fait. Moi, je voudrais que ça reste qu'un jeu, si possible, et que ça ne soit pas y compris dans le monde réel, ce qui devient un petit peu flippant. Voilà. Bon, le jeu est très bien, par ailleurs. Voilà, je fais un peu de publicité, je suis désolé, mais on en est là, quoi. Vraiment, c'est flippant. Alors, du coup, il n'y aura pas des centres de commandement tout le temps, ils ne vont pas transmettre tout et filmer tout en direct en permanence. N'empêche qu'on étend encore ces moyens-là. Et alors, sur les drones, il faut que je vous le dise parce que c'est quand même le truc le plus rigolo. Sur les garanties.
Alors, je vais vous expliquer comment on se fait avoir d'un point de vue légistique. Donc, on vous dit, mais si, bien sûr, il y a des garanties, monsieur le député, nous avons fait une liste très précise des cas dans lesquels le drone peut être utilisé. Donc là, je suis à l'alinéa pour vraiment les curieux qui sont aussi sur le site de l'Assemblée en train de suivre le texte. Donc, on est à l'article 22, alinéa 14. Non, pardon, alinéa 12. Dans l'exercice de leur mission de prévention des atteintes à la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, ça fait beaucoup, hein. Déjà, ça fait beaucoup. Les services de l'État concourent à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder au moyen de caméras installées sur des aéronefs à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer deux points. Et donc là, vous avez une liste qui dit la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants. Ça fait déjà beaucoup d'endroits. Ensuite, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, ainsi que l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre, donc en gros toutes les manifs. Manifs d'ailleurs revendicatives ou pas, hein, toutes les manifs. La prévention d'actes de terrorisme. Ils sont là, les actes de terrorisme. Eh oui, bah oui, on ne sait jamais, hein. Au cas où, dans le doute. Et comme vous savez que les terroristes peuvent frapper à chaque instant, à chaque moment, n'importe où, n'importe comment, car le loup solitaire agit, et ben, c'est pas complètement fou, hein, par ailleurs, mais je mettais ça dans votre tête parce que vous allez comprendre pour la suite. Le constat des infractions et la poursuite de leur auteur par la collecte de preuves. La protection des bâtiments et donc la collecte de preuves, ça c'est dans un cadre judiciaire. Alors pour le coup, c'est peut-être le domaine dans lequel ce sera le moins utilisé. Parce que pour faire une enquête judiciaire, en gros, je me posais la question la dernière fois avec des policiers et des magistrats, et on disait en fait, c'est beaucoup plus utile de faire une captation, enfin de mettre sur écoute un téléphone, de poser des micros dans une voiture, machin, mais utiliser un drone pour faire une enquête, moi je vois pas, à part des cas très particuliers, je. Mais bon, ils l'ont mis quand même pour faire style que ça ferait dans le cadre des enquêtes, alors que ce sera surtout dans un cadre administratif, évidemment. La protection des bâtiments et installations publiques et de leurs abords. Là aussi, ça fait un paquet d'endroits, ça. Ça en fait des endroits, hein, que bâtiments publics et installations publiques, hein, c'est-à-dire même une, je sais pas moi, installation publique, ça peut être une station d'épuration, ça sert à rien, n'importe quoi, ce que vous voulez, quoi, tout ce qui est public. La protection des intérêts de la défense nationale et l'établissement, installation, ouvrage d'importance vitale mentionné au code de la défense, blablabla. Donc ça c'est les centrales nucléaires par exemple, etc. Très bien. La régulation des flux de transport. Donc partout où il y a une route, en fait, vous pouvez avoir un drone. La surveillance contre les comportements mentionnés au 1 de l'article L236-1 du code de la route. Donc c'est les infractions routières, hein, comme je vous disais, hein, c'est toutes les routes. Donc alors, les routes, les bâtiments publics, les endroits où on peut vendre de la drogue et où pourrait y avoir une infraction commise, un cambriolage. En fait, c'est partout. Hein. En gros, voilà. Je peux continuer un petit peu la liste. Hein. Il y a la surveillance des littoraux et zones frontalières, parce qu'effectivement, là, il n'y a pas de maison, pas de route, rien du tout. Donc, il fallait quand même prévoir le cas où on serait au milieu de nulle part et qu'on ait le droit de le faire. Le secours aux personnes. Bon, très bien, why not. Et bon, donc voilà, il y a aussi dans l'exercice des missions de prévention, de lutte pour la sécurité civile, c'est vrai que pour gérer un incendie ou un machin. Ça, cet aspect-là, par exemple, je pense que nous, on le garderait. Parce que sur un feu, un incendie de forêt, etc., c'est bien que vous ayez une vue du ciel pour voir où ça en est. Faut pas être complètement opposé au drone dans l'absolu. Pour nous surveiller, c'est un peu problématique. Mais... Alors, donc là, la liste, vous avez vu, c'est tout. Et. On vous dit, mais enfin, monsieur le député, déjà, on a fait une liste, c'est déjà pas mal. Donc, c'est une garantie. Alors là, vous flippez un peu en ayant vu la liste. Hein. Et deuxièmement, on vous dit, deuxième garantie. Mais enfin, monsieur le député, les gens sauront qu'il y a des drones. On sera transparent. Bon, même si c'était transparent, je suis déjà pas d'accord, mais allez, admettons, on va regarder. Où est-ce que c'est? Que c'est quoi ça donc? Ça, c'est l'alinéa 7. Il était avant, mais je voulais garder pour maintenant, parce que sinon, c'est pas drôle. Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs à reporter de captation d'images et de l'autorité responsable.
Alors déjà, c'est chiant parce que tout moyen approprié, c'est un peu vague et flou. Donc, ils peuvent vous faire ça dans un coin du site internet du ministère de l'Intérieur où personne ne va jamais. Enfin, voilà. Ou en mettant des affiches dans la commune, j'en sais rien. Enfin, c'est tout moyen approprié. Donc, moi, je préfère quand c'est un peu plus précis, quitte à ce que ce soit, ça couvre pas toutes les hypothèses, mais bon, bref, pas bon. Mais on se dit, au moins, on saura. Et vous saurez, monsieur le député, on vous prendra, enfin, on va pas, arrêter de dire qu'on va surveiller comme ça les gens tout le temps, n'importe où. Mais enfin, vous êtes vraiment de mauvaise foi, hein. Ah, la France insoumise, c'est insupportable. Donc ça, vous retranscrit ce qui se disait dans l'hémicycle, évidemment. Donc, comment ça marchait? Je vous poursuis la phrase. Sauf, eh oui, il y a toujours un sauf, c'est là où ça se guette. Sauf lorsque les circonstances l'interdisent. Ouais. D'accord. J'imagine que quand c'est dans le cadre d'une enquête judiciaire, il ne faut pas qu'on dise qu'on a mis un drone pour surveiller les méchants qu'on est censé surveiller dans le cadre d'une enquête. Là, ça me paraît, franchement, ça match. Alors attention, le deuxième sauf est quand même bien mieux. Ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Crème, large. Et donc, une information générale du public sur l'emploi des dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministère de l'Intérieur, par le ministre de l'Intérieur. Ça ne nous rassure pas plus que ça, mais bon, voilà, c'est lui qui s'y colle, au moins comme ça, c'est écrit. Donc, cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Écoutez, moi, demain, je suis ministre de l'Intérieur, je vous fous des drones partout, mais alors partout, 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 et je vous le dis pas, parce que ce sera pour, allez, au hasard, la prévention d'actes de terrorisme. Ouh, il ne faudrait pas qu'on dise aux terroristes qu'on est en train de les surveiller. Ça rentre en contradiction avec l'objectif poursuivi. D'accord avec moi? Ouais, il ne faut pas me filer le ministère de l'Intérieur. Vous avez raison, on ne sait jamais. Bref, voilà pour une des raisons pour laquelle il faut, y compris dans le détail, s'opposer à ce genre de truc. Et que quand on vous dit qu'il y a des garanties dans la loi, ne vous faites pas avoir. Il n'y en a pas. Et même, du coup, la loi prévoit qu'on ne vous donne pas toutes les garanties, puisque ce sera tout à fait légal de faire absolument n'importe quoi. D'ailleurs, il y a eu un rapport qui a été rendu sur les articles 1 à 4 de la loi Sécurité intérieure de contre le terrorisme, notamment sur les périmètres de protection, donc les fameuses fan zones en cas d'attaque terroriste, surtout prévues en gros pour un marché de Noël, des trucs comme ça. Et le rapport montre qu'il y a des tas de préfets qui l'ont utilisé tranquille, pour toujours, des zones contrôlées dans des gares, des machins, au mépris de ce que devait. Qu'avait pensé le législateur, quand même. Et d'autres l'ont fait pour des manifs, alors que c'était pas assez pour prévenir le terrorisme. Donc voilà, à moins que ce soit une manif de terroristes, mais normalement ça marche pas. Et bon, ben, donc c'est les parlementaires qui a le brin pivé qui pointe ça dans son rapport. Et là, je me dis, quand je vous ai dit dans l'hémicycle que ça servira à faire n'importe quoi, vous m'avez dit, mais non, vous ne faites pas confiance à l'autorité préfectorale. Ouais, j'avoue, je fais pas toujours confiance. En tout cas, pas une confiance aveugle, pas comme ça. J'espère que vous aurez compris le truc. Je vous fais pas le détail du coup sur les caméras piétons, les caméras de surveillance police municipale, tout ça, parce que vous avez compris le truc. On synchronise tout ça et on peut regarder tout le monde tout le temps quand on veut. Sachant que le centre de commandement, il est réuni à la demande de l'autorité préfectorale. Il n'y a pas de condition pour réunir le centre de commandement. Si demain le préfet dit, allez, on va au centre de commandement, ben, il peut aller au centre de commandement. Voilà. Je caricature pas, malheureusement. Bon, évidemment, il n'y a pas que ça à faire, mais le centre de commandement peut être activé sans lui, hein, juste avec les chefs de la police. Et ça peut être les centres opérationnels dans les commissariats de police et pas dans la préfecture. Donc, ça y est, quoi, ils y sont. Alors, juste, je fais une incartade. Un incartade, oui. Tiens, d'ailleurs, bonne question. Bon, je vais regarder ça tout de suite pour me coucher moins bête. Féminin, une. Pour vous dire que, en fait, parce que là, on va arriver aux articles 24, 25, 26, etc. Mais je ne vous ai pas parlé de la reconnaissance faciale. Et je sais que c'est un sujet de débat. Pour vous dire, il n'y a rien sur la reconnaissance faciale dans ce texte. Donc, ça ne sert à rien de dire qu'il y a des trucs sur la reconnaissance faciale, mais ça sert quand même à quelque chose d'en parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien sur la reconnaissance faciale dans ce texte. Et c'est un problème qu'il n'y a rien. Voilà. En fait, c'est ça le problème. Parce qu'on a essayé de mettre des amendements pour faire des moratoires ou avant qu'il y ait une loi, dire que d'ici là, on ne fait pas de reconnaissance faciale. Enfin, des trucs comme ça. Et bien sûr, ils nous ont envoyé chier avec nos amendements en nous disant, ce n'est pas un texte sur la reconnaissance faciale.
Et du coup, en attendant, il y a des expérimentations. Vous savez, il y a des histoires à la RATP de plein d'expérimentations qu'ils ont fait sur la reconnaissance spatiale. Une qui avait été vue à Châtelet, qui avait été pointée par la quadrature du net. Ils essayaient de voir qui avait un masque ou pas. C'était ça l'objet de la reco faciale. Mais en fait, il y en a eu plein d'autres avant dont on n'a aucune espèce de. Enfin, on ne sait rien. Il y a un laboratoire, en fait, hein, au sein de la RATP, un lab tech sur la reconnaissance faciale. Non, non, il y a des trucs de ouf dont vous n'avez même pas connaissance. C'est bien ça le problème, c'est qu'on n'en a pas connaissance. Donc voilà, on aurait aimé qu'on parle de reconnaissance faciale et ils ne le font pas parce que ils le feront. Ils le feront bientôt. Mais pour une autre raison, c'est les JO. Les JO. Alors les JO, c'est très important. Hein. Les JO, ça va être le moment. Alors imaginons, je vous ai fait tout à l'heure, je suis ministre de l'Intérieur, machin, etc. Attends, on change de sketch. Je suis patron d'une boîte de sécurité privée dans la vidéosurveillance et j'ai des logiciels de reconnaissance faciale qui permettent de détecter les comportements des gens et de savoir quand il y a des situations qui dégénèrent. En gros, il y a la norme et il y a des situations hors norme et j'ai un algorithme qui me permet de trouver ça. Je suis sympa, hein, je ne vous fais même pas le croisement avec les fichiers des traitements des antécédents judiciaires. Je ne rentre même pas encore dans ce niveau-là. Mais c'est aussi ça, évidemment, le problème. Je me lance. Mais j'ai besoin, évidemment, pour avoir des nouveaux clients, etc., de montrer que mon truc marche. Et d'ailleurs, je suis une entreprise française. Startup Nation, je suis là, je me lance. Est-ce que les JO, ce n'est pas un excellent moment pour faire mes preuves? Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour le marché de la sécurité privée de sortir tout l'attirail, de montrer tout comment on fait? Parce qu'il y aura plein de gens du monde entier, des terroristes en puissance partout. Enfin, voilà. Waouh, un fric fou à se faire. Donc, évidemment, il y aura un texte avant tout ça, un autre texte sur la reconnaissance faciale. Croyez-moi, là, je mets un billet, un gros billet sur la table. Ah non, pardon, excusez-moi. Enfin, si, il y en aura. J'allais dire non, parce que si on gagne en 2022, du coup, non. Mais du coup, si, on fera un texte pour dire qu'il n'y a pas de reconnaissance faciale. Donc, il y aura, quoi qu'il en soit, quelque chose d'ici 2024. Soyez-en sûrs. On rentre dans le dur. Pas dans le dur, c'est déjà le dur avant, mais les fameuses dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure. Il n'y a pas que l'article 24 dans la vie. Il y a l'article d'abord, l'article 23. Donc c'est là où on a retiré les réductions de peine automatiques. Ouais, en fait, il faudrait une heure pour que je vous explique ça. Bon, il pénalise davantage quand on s'en prend aussi à un agent de police municipale, un pompier, un gendarme, un agent de pénitentiaire. Quelqu'un de la police nationale et quelqu'un investi d'un mandat électif. Donc quand vous tapez quelqu'un comme ça, eh ben, vous n'aurez pas de réduction de peine. Voilà. Donc vous y réfléchirez à deux fois avant de taper quelqu'un comme ça. Je vous renvoie à ce que je vous ai dit, les gens ne se baladent pas avec un code pénal à la main pour frapper ou pas frapper ou agresser un tel ou un tel. Bref, on arrive sur l'article 24. Article 24, je vous la fais vite, vous avez compris le truc. En gros, cet article en soi n'est pas un problème. Moi, ça me pose pas de problème. Je veux dire, en fou, c'est pas bien de mettre le visage d'un policier pour dire, oh, on va défoncer, on se l'habite et de mettre son adresse avec. Voilà, je ne suis pas pour qu'on fasse ça. Je le dis, donc voilà, comme ça, c'est clair. Donc, il y a deux questions qui se posent une fois qu'on a dit ça. C'est premièrement, est-ce que c'est pas déjà poursuivi par le code pénal? Ah, mais si, 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 si. Ah, bah si, ah, bah oui, ah, oui, j'avais oublié. Bah zut, bah, je suis bête. Donc, injure, menace, tout ça. Même là, c'est dans la loi de 81, il y a, donc c'est un délit parce qu'il y a une peine d'emprisonnement qui va avec, et donc la potentielle interpellation tout à l'heure, etc. Donc, garde à vue, machin, le moment de coercition. Il y a déjà dans la loi de 81, c'est article 39, sexe 6, je crois, de mémoire. Qui poursuit quand vous balancez l'adresse personnelle d'un fonctionnaire de police ou de gendarmerie. C'est déjà dans le texte. Vous pouvez prendre tous les cas de figure, je vous trouve tout ce qu'il vous faut dans le code pénal aujourd'hui pour faire tout ce que vous voulez. Hein, voilà, ça, on a dit, c'est le fait de diffuser. Donc le fait de filmer quelqu'un, normalement, il n'y a pas de souci. Vous le photographiez, etc. Vous ne diffusez rien à ce moment-là. Sauf si vous faites un live. Et si vous ne faites pas de live, vous ne pouvez pas être poursuivi. Donc, en gros, nous, on défend la thèse suivante. Cet article en est un de plus, puisque je vous ai dit qu'il y en avait déjà plein, qui permet aux policiers qui pensent que l'infraction est en train d'être commise,
Donc il se dit, ah, flagrant délit, on est en train de me diffuser pour porter atteinte à mon intégrité physique. Bon, physique, c'est facile, hein, mais mon intégrité psychique, là, c'est plus compliqué parce qu'en gros, le policier peut dire, moi, je n'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie qu'on me voit et ça porte atteinte à mon intégrité psychique. Voilà, je suis timide, c'est comme ça. Et ça marchera, je veux dire, ça marchera hein, s'il dit ça. Pas qu'il est timide, hein, mais que ça porte atteinte, qu'il ne veut pas que son visage soit sur les réseaux sociaux pour sa vie privée, etc. Bon. Et donc, parce que ses enfants se font frapper à l'école, vous vous souvenez d'Armanin, vous expliquez ça, et que c'était à cause de la France insoumise, évidemment, comme vous savez. Donc, ils nous pondent ça, mais ça, devant un magistrat, si un policier interpelle sur cette base-là, alors que vous n'étiez pas en train de diffuser, ou que même vous avez diffusé, que vous ne faisiez rien de mal à part diffuser les images, évidemment, le magistrat, il va classer sans suite. Au pire, pour lui, pas perdre la face magistrat et dire que tout ça n'a pas été fait pour rien, il vous fera un rappel à la loi, vous rappelant que la loi interdit de faire ce que vous n'avez pas fait. Voilà. Non, mais c'est ça, en gros. Si seulement je caricaturais là. En fait, non. Donc je ne crains pas sur les suites judiciaires. Je ne pense pas qu'il y aura de poursuites judiciaires sur cette base-là. Encore qu'ils sont capables de. Mais normalement, c'est safe. C'est juste que c'est un article de plus qui permet aux policiers d'interpeller une personne en manif, notamment, et de la placer en garde à vue jusqu'à un maximum de 48 heures. C'est ça, la réalité, en fait. Et c'est ce qui se passe déjà. On l'a dit, le mec de France 3, le journaliste de France 3, qui est en 36 heures en garde à vue après la manifestation contre l'article 24 et ce texte à l'Assemblée le mardi où on commençait à discuter en séance, il y est pour quoi? Il y est pour refus de dispersion après sommation. Enfin, en gros, c'est délit d'attroupement. Comme il ne se disperse pas après sommation, du coup, il y a attroupement, du coup, c'est un délit, du coup, on peut l'interpeller, le passer en garde à vue, etc. C'est déjà ce qu'ils utilisent là. Donc là, ils font des sommations dans leur coin, ils n'ont pas de mégaphone, ils font « Attention, on va arriver !»« Attention, on va attaquer !»« Attention !» Voilà, personne n'a entendu, et ils frappent sur tout le monde, et ils embarquent les gens qui sont là, et ils sont dans le respect du code pénal et du code de procédure pénale pour vous placer en garde à vue jusqu'à un maximum de 48 heures. Mais là, c'était sur l'attroupement. Alors, vous avez aussi l'outrage-rébellion. Outrage-rébellion connu, puisque nous avons un rebelle officiel, je vous rappelle, dans la maison. On a des gens qui, en manif, filmaient les policiers. Ils disent « Ouais, tu me provoques avec ton téléphone. » Donc, provocation, outrage. Ah, on cherche à vous interpeller. Et du coup, vous dites « Mais non, j'ai rien fait. Ah, » Rébellion, monsieur, attention. Et hop, on vous prend votre téléphone, on vous l'écrase par terre et on vous met 24 heures à 48 heures en garde à vue. C'est pareil, vous ressortez puisqu'il n'y a rien. Un rappel à la loi en général, puisque le parquet dit « Bah oui, mais attendez, là, sont où les preuves ?» Il n'y en a pas. Et oui, il n'y en a pas. Et même si le mec faisait un live, lui, il va ressortir comme élément de preuve le live où on l'entend qu'il n'insulte pas les policiers. Et peut-être même que dans le live, on verra que c'est les policiers qui l'insultent. Mais ce n'est pas pour autant que le policier sera poursuivi. Bref, je mets ça de côté. Donc, en gros, ça, c'est un élément de plus pour interpeller de manière arbitraire. Et ça retourne la charge de la preuve. C'est-à-dire que le policier vous interpelle parce que vous êtes en train de filmer. Ce sera à vous de prouver que vous n'étiez pas en train de diffuser et que vous n'étiez pas en train de porter atteinte à son intégrité psychique et physique. Et non pas le contraire. Alors, parce que la parole du policier sera plus mise en avant, c'est un agent dépositaire de l'autorité publique, il a fait un procès verbal, et il a rempli des trucs. Donc, ce sera à vous de vous défendre. Là où aujourd'hui, si un policier vient vous faire ça en manifestation, c'est lui qui est en cause et vous qui pouvez porter plainte contre lui et à lui de se défendre. Voilà comment on inverse les choses. Et puis, c'est surtout que ça montre qu'on veut, au fond, dissuader les gens de filmer les policiers. C'était ça le gros objectif. Et que ce n'est pas souhaitable dans une société démocratique. Je ne vais pas plus loin. Je voulais juste aller dans ce petit détail-là, que vous ayez bien ces éléments-là de compréhension, pour être éventuellement le plus juste possible. Si un jour, quelqu'un vous dit, enfin, oui, mais cet article 24, il ne pose pas de problème. C'était que sur la diffusion pour porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier. Si tu ne veux pas porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique du policier, tu ne crains rien. Alors là, celui qui dit ça, tu dis, bah, viens avec moi pour la prochaine manif, sors ton téléphone et filme de près un policier, puis après on en reparle. Voilà. Allez, bon courage. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai, quoi. Il y a que les gens qui vont en manif qui comprennent de quoi on parle. Moi, je vois ceux qui ne vont pas en manif, qui sont dans l'hémicycle, là, qui sont là, en disant, pourquoi vous venez avec des lunettes de piscine? Bah, parce que ça pique les yeux, le lacrymo. Bah. Ouais, je sais pas, voilà. Bon, bref. Mais enfin, si vous avez rien à vous reprocher, on ne vous balancera pas du lacrymo. Ouais, c'est ça, voilà. vraiment. Je rigole, mais en fait c'est pas drôle parce que dans l'hémicycle on se rend compte qu'on parle d'un
parle pas des mêmes choses quoi, avec eux. Mais enfin, article 25, important, on a mené une petite bataille là-dessus. Jean-Luc en a parlé aussi, je ne sais plus à quel moment, mais c'est sur le fait que les fonctionnaires de police, donc c'est marqué, hein, le fait pour un fonctionnaire de police nationale ou un militaire de la gendarmerie de porter son arme hors service, ils ont le droit depuis 2015, l'attaque du Bataclan, de garder leur arme hors service tout le temps, au cas où, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public. Donc, comment ça se passe aujourd'hui ? Il a le droit d'avoir son arme hors service. Par contre, quand il en arrive dans un établissement recevant du public, ERP, c'est tout, hein, c'est un bistrot, un théâtre, un cinéma, un supermarché. Enfin, c'est, voilà, c'est un établissement recevant du public. C'est pas un établissement public, hein, je dis, des fois il y a confusion, mais c'est un établissement recevant du public. Jusqu'à présent, s'il avait son arme sur lui, il était obligé de le dire au responsable de l'établissement recevant du public, et c'était au responsable de voir s'il l'autorisait ou non à garder son arme dans l'établissement. D'accord ? Et donc là, cet article, il dit « ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public ». Donc, le policier ou le gendarme peut avoir son arme de service tout le temps sur lui, et personne ne peut l'obliger à ne pas rentrer à un endroit parce qu'il a son arme. Alors là, il y avait un député LREM qui était un ancien patron de discothèque qui a pris de la parole et qui a dit « Ouais, c'est un peu chaud, ça. Je... » Alors, il est solidaire, il est à La République en Marche, donc il va faire comme tout le monde, il va lever le bras comme ça. Avec le... On ne voit pas bien, il passe de recul. Mais... Voilà. Qui vote pour ? Il ne sait pas pourquoi, mais... Et donc, il avait quand même été réserve en disant, nous rappelant des anecdotes de policiers qui avaient leur arme hors service alors qu'ils n'étaient pas rentrés, qui étaient venus rechercher quelqu'un à la sortie d'une boîte de nuit, machin. Ça part en bagarre, le mec tire, sort son flingue, tire, bon, voilà, fin d'histoire. Bon, bah là, il pourra le faire dans la boîte de nuit, c'est génial ça. Et d'ailleurs, c'est, en fait, c'est, le problème, c'est même pas qu'on se dit que les policiers vont venir avec leur arme pour tirer dans les gens. Je crois pas ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais enfin, les circonstances, des fois, les circonstances peuvent amener à ce que, bah, je sais pas, un mec en boîte chope une bouteille, la casse, bim, il a son tesson, là, il dit, yeah, je vais t'agresser. Le policier, il a 2 grammes, il a son arme. On n'est pas censé avoir bu avec son arme dans l'établissement du public, mais enfin, dans le monde réel, on peut imaginer qu'il prenne quand même 2 ou 3 verres. Ça peut vite être problématique. Donc non, déjà, c'est trop que leurs armes hors service tout le temps partout, là. C'est pas pour en plus les avoir dans l'établissement recevant du public. Ça suffit, quoi. Et en plus, ils nous ont dit que c'était parce qu'au Bataclan, rendez-vous compte, il y avait un policier municipal et 2 policiers nationaux, je crois, dans le public. Et que s'ils avaient eu leur arme, peut-être alors, éventuellement, au cas où, dans le doute, ils auraient peut-être pu faire quelque chose. Ça fait beaucoup de conditionnels, peut-être, etc. Et je vous jure qu'ils le disent comme ça dans l'hémicycle, hein, avec 8 conditionnels, 3 peut-être, et tout ça pour dire que du coup, tout le monde peut avoir son arme partout. C'est la fête. C'est quand même, il y a un truc qui est un peu bizarre, étrange là-dedans. Surtout que, à mon avis, quand tu vas à un concert d'Eagles of Death Metal, le truc que tu dis, c'est pas « Ah oui, mon arme de service, c'est vrai, j'ai oublié mon arme de service. » Non, tu l'allais chez toi, tu vas au concert parce que tu vas boire des coups, tu vas faire des pogos, tu vas danser. Enfin, je sais pas quoi. Tu te dis pas « Oui, je vais aller au concert des Gueules de Death Metal avec mon arme au cas où il y aura un attaque terroriste entre 2 pintes de bière. » Et je vais rester, non, parce que je ne vais pas boire de pinte de bière. Là. Je vais écouter le concert dans un coin, loin de tout le monde. Et en fait, je vais faire agent de sécurité privée. Parce que j'ai que ça à faire dans mes soirées. Non, mais je vous le dis comme ça, mais parce qu'en vrai, c'est tellement lamentable qu'on en vienne à ce genre de situation d'extension généralisée d'usage de l'arme. Sachant que les principaux morts des armes des policiers. Ce sont les policiers eux-mêmes et toujours pas les terroristes. Hein. C'est une quarantaine par an dans les suicides par arme de service. Et en plus, d'ailleurs, chaque année, il y a quelques cas où le policier bute sa famille avant de se buter lui-même, ou bute l'amant de sa femme, ou la maîtresse de son compagnon, si c'est l'homme ou la femme qui est policier, s'ils sont hétérosexuels ou pas. Vous faites toutes les combinaisons à 4 figures que vous voulez. Mais en gros, c'est ça, des règlements de compte passionnels quoi, avec l'arme à feu. Et quand vous l'avez l'arme, bah, c'est plus facile de s'en servir que quand vous ne l'avez pas. Ça fait partie des évidences qu'il est bon et sage de rappeler. Je poursuis. Article 27, c'est pas intéressant. Enfin, si. En gros, il y a les adjoints de sécurité qui sont les contractuels de la police qui étaient les contrats jeunes de l'époque sous Jospin pour entrer à la police,
qui ont été gardés. Et en fait, ils veulent les appeler policiers adjoints, qui va encore une fois rajouter de la confusion, faisant croire qu'ils sont policiers, alors qu'en fait, ils sont contractuels. Mais bon, ils ont 4 mois de formation et une arme à feu, donc finalement, on peut les appeler policiers adjoints. Et ensuite, c'est plein de tripotés d'articles sur le fait qu'on donne aussi des nouvelles missions à la SUGE, vous savez, les services de sécurité de la RATP et les services de sécurité de la SNCF, pour qu'ils puissent aussi avoir accès aux caméras dans les centres de commandement. Enfin, je vous passe les détails, mais on va étendre tout ça le plus loin possible. Après, les dispositions diverses, on est sur. Ah oui, ils nous ont encadré la vente des mortiers d'artifice, pour pénaliser le vendeur qui vend des mortiers d'artifice, donc c'est des feux d'artifice en gros, à quelqu'un qui n'aurait pas l'habilitation ou la compétence. Je crois que c'est même plus large. Dès lors qu'il est. Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect en raison notamment de sa nature ou de son contexte. Vous avez 2 heures. Bon, voilà, bref. Donc, je crois qu'ils mettent en place un fichier aussi. Un fichier pour les gens qui achètent en gros, un fichage, quoi. Eh ben, on est en plein délire, quoi. Bon, ben voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je suis allé dans le détail. Ouais, après c'est les applications à la Polynésie ou à l'Issy de Futuna, tout ça, parce que forcément c'est particulier et tout peut pas s'appliquer de la même manière comme ça, de but en blanc. Bon, bah voilà, je vous ai dit, attendez, faut que je rebranche en plus, j'ai même pas branché la batterie de mon ordinateur, je ne voudrais pas qu'il nous lâche en pleine route. Juste pour terminer, où on en est, c'était discuté à l'Assemblée, on n'a pas encore de date d'examen au Sénat, mais il devrait le faire à la début d'année 2021. J'en sais rien. Larcher disait mars, début mars. Je sais pas dans quelle mesure ils ont envie d'emmerder le gouvernement et de faire traîner. Moi, je serais eux, je le ferais. Si j'étais eux, genre, si, mais vraiment, si j'étais eux mal, et maléfique, je ferais ce qu'on appelle un vote conforme sur l'article 24. C'est-à-dire que l'article 24, je le voterais dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée, c'est-à-dire je ne ferai pas d'amendement et tout, je le voterai tout pareil. Ce qui fait qu'après, ils ne peuvent plus le modifier, le gouvernement ou la majorité LREM. Et la seule manière qu'ils ont de supprimer cet article 24, c'est de voter contre toute la loi. Eh, ce ne serait pas génial, ça? Là, ils seraient vraiment dans la nasse. Ouais. Dans mes rêves les plus fous, je rêve de ça. Je ne sais pas si le Sénat va le faire. Alors après, attention, Macron a fait la danse du ventre, Castex aussi, les a reçus à l'Élysée, que les sénateurs, rien que pour ça, que pour parler de ça. Donc, il flippe là-haut. Évidemment, ça crée une crise institutionnelle parce que je vous l'ai dit, entre proposition de loi, le gouvernement qui essaie de reprendre la main, Richard Ferrand qui fait un courrier avec Gérard Larcher en disant, ouais, ici c'est l'Assemblée, quoi, donc vous faites pas ce que vous voulez. Alors, nous, on rigolait, on disait, ah bon, mais on pensait que c'était le cas depuis 3 ans. On a mal regardé, donc on a peut-être pas bien vu. Ils ont, je sais pas comment ils vont faire partie du 24, ils vont peut-être finir par s'en passer parce qu'ils rebondissent sur l'article, ancien article 26 de l'avant-projet de loi séparatisme, futur article 18 de la loi séparatisme, qui vise pas exactement la même chose, mais la diffusion d'informations personnelles sur les fonctionnaires, tous les fonctionnaires, pas que les policiers. Ce qui peut poser d'autres problèmes, mais c'est vrai qu'objectivement, on pose moins que l'article 24 parce qu'il permettra pas un policier d'interpeller en manif sur ce fondement-là, à la différence de l'article 24, puisque lui, il le visage des policiers. Là, c'est des informations personnelles qui sont diffusées, donc on est plus sur un délai a posteriori qu'un délai a priori, délai d'intention. Et quand on vous a dit, par exemple, Dupond-Moretti, tout fier, en disant, il n'y a pas de délit d'intention dans ce pays, je ne vous permets pas de dire ça. Pardon? Pardon? Pardon, cher maître, vous n'étiez pas pénaliste, avocat, tout ça, grand avocat. Ah oui, non, dans votre cabinet, c'est pas vous qui faisiez le droit, vous faisiez que les plaidoiries. Ah, j'avais oublié, pardon. Excusez-moi. Autant pour moi, oui, parce que les délits d'intention, ça fait déjà un bon paquet de temps qu'on a, notamment sous l'impulsion de la matière terroriste et de la criminalité organisée, avec les associations de malfaiteurs en vue d'eux, les associations de malfaiteurs terroristes en vue d'eux, ou les bandes organisées qui permettent, si vous mixez tout ça, d'attraper des gens avant qu'ils aient commencé à faire quoi que ce soit. Encore faut-il avoir quand même quelques éléments de preuve pour matérialiser la volonté de commettre l'infraction dans le futur.
Voilà, donc les délits d'intention, ça existe dans ce pays. Et c'est déjà un problème. Je vous ai tout dit. Super. Alors, on va passer aux questions sur les réseaux sociaux. Je rappelle que s'il y a des questions, les gens peuvent encore les poser dans le live sur la page Facebook du Parti de gauche, la page nationale, puisqu'on a une vingtaine de pages qui diffusent en même temps. Et donc, on te les transmettra. Marion a déjà une question. Oui, première question d'un camarade qui demande quelle vision vous avez de la gendarmerie. Le diagnostic est-il le même que pour la police ou est-il différent? Alors, là, je m'en suis tenu pour vous à suivre le texte qu'on nous a soumis et à ce que nous, on a pu en penser ou en dire à certains moments. Donc, je ne vous ai pas dit ce que je pensais finalement de la police et de la gendarmerie et de tout le débat qu'il y a maintenant autour, qui a émergé suite à la loi sécurité globale, aux manifestations qui ont eu lieu, à la vidéo de Michel Zecler et je ne sais plus combien d'autres aussi faits qui ont permis de conscientiser un peu largement. Je pense notamment à la mort de Cédric Chouviat, etc. Enfin, ouais, je ne fais pas la liste parce qu'elle est finalement très très longue. Et on pourrait partir finalement des 7 péchés capitaux de Darmanin qu'il a énumérés. C'est pas inintéressant son truc, parce que ça veut dire que la politique qui suit depuis 3 ans est nulle et qu'ils ont fait n'importe quoi. Bon, bah pour une fois, il l'a dit. Mais c'est comme quand Macron il nous a fait son speech hein, après le premier confinement. Donc, oui, il faut tout socialiser, les moyens de production, vive le socialisme. Tout ça. Qu'en fait, non, c'était juste pour rire. Qu'est-ce que je pense de la gendarmerie nationale? J'imagine, au regard non pas du texte sécurité globale, mais de l'actualité, concernant les discriminations, le racisme qui peut y avoir dans la police, les dérapages, les moments où on modifie les procès-verbaux, etc. etc. Bon. On ne peut pas poser le même constat dans la police et la gendarmerie. Absolument pas, et pour plein de raisons objectives. Premièrement, et d'ailleurs c'est pour ça que les gendarmes, dans leur discours, excusent assez facilement les policiers de leur propre dérapage, ça m'a déjà été rapporté en tant que tel, en disant « Attendez, non, mais nous on est à la campagne, eux ils sont à la ville. » Et la ville, il s'en passe des choses en ville. Bon, en vrai... C'est effectivement, c'est pas pareil la ville et la campagne, il n'y a pas besoin d'avoir fait des longues études pour s'en rendre compte. Mais en réalité, par exemple, sur la criminalité ou sur les meurtres ou les assassinats, il y en a autant, si c'était plus à la campagne qu'à la ville. Voilà, juste ça dans le débat, dans le décor. Il se passe des choses pas très nettes à la campagne, justement loin du regard de tout le monde et de tout, notamment en termes de violence intrafamiliale. Je pense que c'est pas forcément la joie. Par contre, qu'est-ce qui se passe? La grosse différence, c'est que dans les villes, dans les milieux urbains, il y a une anonymisation des uns et des autres. On ne se connaît pas, on se croise dans le métro, dans la rue, mais on ne se connaît pas. Les gens ne se connaissent pas. Quoi, voilà. Alors qu'à la campagne, les gens se connaissent. Le gendarme connaît les gens, connaît le maire, connaît le type qui tient le bistrot, et les gens connaissent le gendarme. Et ça change. Ça change beaucoup de choses. Et le gendarme, il dort à la caserne, il dort là dans le secteur. Il ne va pas à une autre ville ailleurs, machin, il n'est pas complètement en dehors du corps social. Donc forcément, quand vous revoyez souvent les mêmes gens, vous faites moins n'importe quoi que quand vous êtes un corps étranger, on va dire ça comme ça, qui intervient parce qu'il y a eu un appel du 17 et que après vous repartez, vous ne les reverrez plus jamais. Et que de toute façon, il y a tellement de gens que tout le monde est anonyme et tout le monde s'en fiche. Donc ça c'est une différence non négligeable. Et c'est pour ça, et donc si vous reconnectez avec ce que je vous ai dit au tout début sur une histoire de police nationale républicaine de proximité, vous comprenez pourquoi on souhaite absolument avoir des effectifs assignés à un territoire à taille humaine et qui soit le même, et que les gens le connaissent et que lui connaisse les gens. Parce que c'est la meilleure forme de contrôle. Et c'est une forme de contrôle social et un peu supérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui, mais plus saine. Parce qu'il y a un contrôle réciproque de la population sur le policier ou sur le gendarme. Et il y a une deuxième différence entre gendarmerie et police qui est très importante, c'est la question de la réserve. Il y a une réserve citoyenne extrêmement large et très active dans la gendarmerie nationale. Il y a des camarades, il y a des militants qui sont gendarmes réservistes et qui font des missions, qui patrouillent avec des gendarmes, qui font des patrouilles tout à fait normales, de sécurité publique,
dans les communes où ils font des contrôles routiers, etc. Bon. Dans la police, alors, le dispositif en théorie existe, mais il n'y a personne dedans et il n'est jamais mobilisé. Les seuls réservistes qu'on prend dans la police nationale, c'est les retraités de la police. C'est ça, les réservistes, en fait. C'est pour arrondir les fins de mois. Il vient faire un peu des missions de surveillance, gérer la barrière à l'entrée du commissariat. Enfin, je caricature pas parce que c'est ça. Voilà, c'est la réalité des faits. Donc, évidemment, quand vous avez des gens qui viennent vous voir, c'est pour ça que Jean-Luc a dit, ça a fait peut-être sourire ou marrer quelqu'un, qu'il n'y avait pas de meilleur contrôle que le contrôle du peuple lui-même, direct et immédiat. Et que quand on a parlé d'un service citoyen obligatoire, que ce serait bien qu'il y ait des jeunes qui soient réservistes dans la police nationale. Parce que, mais pourquoi on se permet de dire ça et d'avancer cette hypothèse-là, que ce serait positif à la fois dans l'expérience pour connaître, mieux connaître le fonctionnement de la police de la gendarmerie, c'est toujours bien, on en sort moins bête, mais aussi surtout pour mieux contrôler la police et la gendarmerie, mais surtout la police, d'avoir des citoyens dedans directement. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que dans la gendarmerie, ça fonctionne aussi un peu mieux, parce que celui qui est dans la réserve citoyenne, enfin, il a son boulot à côté, il a sa vie, son activité, il ne dépend pas de ça, quoi. Donc s'il voit des trucs nimp, il n'y a pas de problème pour lui dénoncer. C'est pas sa carrière, il ne va pas se mettre dans la douce ses collègues ou je sais pas quoi, quoi. Il n'y a pas le même phénomène d'omerta, on va se clos, etc., qu'on retrouve pour le coup spécifiquement dans la police nationale. Il y a d'autres problèmes hein, dans la gendarmerie. Le casernement, c'est pas non plus. Ça a des intérêts, mais ça a aussi des inconvénients. Je peux vous dire que pour le coup, le casernement, c'est vraiment quelque chose de très très difficile pour les gendarmes. D'ailleurs, à l'initial, il faut savoir que pour le policier national, il a une obligation d'habiter pas trop loin du lieu où il exerce. Il y a une obligation dans les textes qui n'est plus appliquée depuis très 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 longtemps, puisque les syndicats ont dit non, mais attendez, on est en danger, on ne peut pas habiter là où on va chasser les méchants, parce que les malfrats, ils sont là, ils vont s'attaquer à nous, à nos gosses, etc. Et ce n'est pas complètement faux, je veux dire, la situation s'est tellement dégradée et c'est tellement le bazar et la pagaille qu'effectivement, tout le monde s'éloigne, s'écarte. Mais on est dans un cercle vicieux, pas dans un cercle vertueux. On s'éloigne, on connaît moins le territoire, du coup on a moins prise dessus, du coup les tensions sont plus grandes quand on intervient, etc., etc. Donc il faudra inverser cette tendance. Voilà, comme ça je me suis servi de la question sur la gendarmerie pour poser mon constat et dire comment on ferait un peu différemment. Et ça me semble essentiel. On avait proposé dans le programme de fusionner police-gendarmerie sous une seule et même force civile. Pour plein de raisons, parce qu'il y a une vraie guerre en police-gendarmerie, il y a des vraies problématiques, c'est pas toujours de l'émulation, bien au contraire. Il y a quand même la conception de se dire que des missions de sécurité interne n'ont pas à être faites par des militaires, et les gendarmes restent des militaires. Cette séparation civile-militaire entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. En même temps, avoir deux forces, c'est aussi une garantie démocratique. Quand vous voyez que les policiers manifestent en armes en ce moment, je pense que si on était au pouvoir, on serait bien content d'avoir les gendarmes pour pouvoir les envoyer face aux policiers. Il y a débat. Voilà, moi, je pense qu'il faut le faire parce qu'au fond, à la fin, bah, et si les policiers manifestent en armes et qu'il n'y a plus qu'une seule police fusionnée, bah, vous envoyez l'armée, hein, j'ai envie de dire. C'est précisément le moment où vous envoyez l'armée, quoi. Et que ça justifie. Bref, puisque c'est un comportement factieux, donc, du coup de guerre civile. Donc là. D'accord. Ouais, voilà. Donc je dis juste ça parce que la fusion, ça pourrait être un beau sujet le moment venu pour le mettre en œuvre. Et ça repose toutes ces questions-là de différence pour les gendarmes et du modèle qu'on veut. Cool. On a d'autres questions. On a donc Sylvain sur Facebook qui nous dit, vu que Paris devrait se doter d'une police municipale, le maire de Saint-Ouen-l'Aumône, Laurent Linquette du Parti socialiste, craint que les policiers municipaux partent pour de meilleurs salaires. Donc il utilise ce prétexte pour justifier l'armement de la police municipale pour qu'il reste. Étant élu sur Saint-Ouen-l'Aumône, y a-t-il des recours possibles contre l'armement de celle-ci? Alors là, on est sur du très technique, donc peut-être que tu as une idée générale ou au moins un conseil vers qui le camarade Non, mais il n'y a pas devrait se de, tourner. enfin, y a pas de recours. Hein. Enfin, si, on peut faire des recours, mais enfin, pour moi, c'est perdu d'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'armement de la police municipale, c'est extrêmement facile d'un point de vue du droit. Les textes le prévoient. Il suffit que le maire le demande et c'est tout, quoi. Après, il y a des conditions très pratiques et très concrètes de réussite à des tests des policiers municipaux. Et si j'étais méchant et cynique, ce que je ne suis pas,
Je vous dirai que plein de policiers municipaux n'ont pas d'armes à feu parce qu'ils ne réussissent pas les tests. Voilà. Mais mis à part ça, faire un recours contre les arguments fallacieux du maire, non, c'est pas une décision administrative, les arguments fallacieux du maire. Lui, il va se baser sur le droit, il va demander au préfet, et il y aura droit, en fait. Même si son argument, c'est pour dire. Parce que avant, en étant en terre du droit, il fallait montrer que la ville était d'une certaine importance, etc., qu'il y avait des circonstances particulières qui faisaient qu'il fallait demander l'armement de la police municipale. Mais en gros, le préfet donnait facilement. Là, c'est vraiment open bar, là. Vraiment. En fait, il suffit que le maire le décide pour que ça se mette en œuvre. Point. Donc, sur l'aspect recours, je ne le vois pas. Après, sur l'aspect. Les flics vont partir pour aller à Paris pour des meilleurs salaires, bah oui, parce que c'est une fonction publique particulière, donc oui. Mais ça, c'est la vie. Et du coup, les armées, bah, ils auront aussi des armes à Paris, donc ça n'a pas de sens, au fond. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est un vrai argument de beaucoup de maires, hein, de se dire, j'ai du mal à fidéliser mes effectifs de police municipale quand je ne suis pas une commune attractive ou bien située géographiquement. Je les forme, ils se barrent tout de suite dans une autre commune plus grosse qui les paye mieux, où ils ont des gilets pare-balles, des machins, des trucs, etc. C'est une réalité. Mais c'est pour ça que nous, on leur a dit dans le débat, et alors? Enfin, c'est pas mon problème. Faisons une police nationale républicaine de proximité. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Vous avez le même équipement, le même machin, enfin le même équipement. Non, justement, parce que nous, on aurait des effectifs de police de proximité sans armes à feu, localement, d'autres avec des armes à feu parce qu'ils seront potentiellement sur des interventions, ils pourront en avoir besoin, et des effectifs en renfort au cas où il y en a un qui n'est pas d'armes à feu qui se fasse agresser, quoi. Bon, on n'est pas complètement débile, mais il faut plusieurs strates et plusieurs organisations. Et je pense que c'est pourquoi cette façon de concevoir une police nationale républicaine de proximité, ce sera sans doute quelque chose qu'on pourra marteler en disant nous sommes pour, je rappelle, nous sommes pour, voilà, une police nationale républicaine de proximité, parce qu'elle répond à plusieurs problématiques concrètes que se posent et des maires, et des policiers nationaux, et des policiers municipaux, et l'hypocrisie ambiante, etc., etc. Donc, moi, je crois qu'on tient le bon bout. Mais pour le recours, je suis désolé, perso, je ne le ferai pas. Mais je me mettrai sur la bataille politique de dire, ben voilà, vous feriez mieux de demander des effectifs de police nationale supplémentaires, d'avoir des effectifs de police municipale qui soient là non pas pour faire de la répression, mais pour faire vraiment de la prévention, de se mettre en lien avec le département pour renforcer les clubs de préf dans le secteur, etc., etc. Très bien. On a une autre question sur les drones. Quels équipements seront autorisés? Quid des caméras techniques? On n'a pas parlé du fait qu'ils pouvaient filmer les espaces privés et les garder dans les banques de données. Est-ce qu'on va appuyer sur ce genre de point, peut-être du coup notamment dans un recours au Conseil constitutionnel, mais de façon générale aussi? Ouais. Oui, en tout cas, ça fait partie des éléments dans le recours. Je suis sur l'article 20. Les caméras. Alors, 20, il est où? Caméra, article 22. Alors, il y a la ligne à 5 qui dit, lorsqu'elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées au 242-5 et tiret 6, donc tiret 5 et tiret 6, c'est la longue liste que je vous ai faite tout à l'heure, sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles, ni de façon spécifique celles de leurs entrées. Donc, il est prévu dans la loi que ça ne puisse pas être le cas. Alors, ça veut dire quoi, sont réalisées de telle sorte que? Ça veut dire que vous pouvez avoir un logiciel d'intelligence artificielle embarqué qui vous floute les parties privatives. Enfin, en gros, il y a l'algorithme qui détecte que c'est un bâtiment et que c'est une fenêtre et qui floute la fenêtre. Voilà. Ils feront D'accord. ça. Enfin, en gros, ils feront ça. Concrètement, ils feront ça. La question, c'est est-ce qu'on pourra contrôler que c'est vraiment le cas tout le temps? Je suis pas sûr, premièrement. Numéro un. Et numéro deux, ce genre d'algorithme, ok, ça marche pas trop mal, mais ça marche pas tout le temps non plus. Voilà, quand l'algorithme voit pas que c'est une partie privée, ben, il voit pas que c'est une partie privée parce qu'il fait sombre, c'est flou, j'en sais rien, enfin, plein de raisons, quoi. Et donc, ce sera pas flouté. Donc, ils ont mis ça, pareil, ça fait partie des garanties.
mais pour lesquels on n'a pas de moyen de contrôle, de garantie de contrôle en tout cas, qui soit suffisant pour se dire que oui, ça va être le cas. Sur les dispositifs techniques, ils peuvent filmer, mais je pense que traitement d'image, peuvent procéder au traitement d'image au moyen de caméras installées sur des aéronefs. Donc non, pour moi, ils peuvent être aussi du truc thermique, ils peuvent, enfin, je vois pas de limite. Les enregistrements peuvent aussi être utilisés à des fins pédagogiques ou de formation des agents. En termes de conservation des images, par exemple, ça peut poser la question. L'autorité responsable tient registre du traitement, des traitements mis en œuvre, précisant la finalité poursuivie. Oui, mettons prévention du terrorisme et fin d'histoire. Hein. La durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris les cas échéants, au moyen de dispositifs de renvoi en temps réel. Et hors le cadre où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de 30 jours. Mais D'accord. attention, hein, dans une procédure judiciaire, ok, procédure disciplinaire, ok, une procédure administrative, c'est extrêmement large. Je vous rappelle que le renseignement, ce qu'on appelle le renseignement, c'est de l'administratif et ce sont des procédures administratives. Donc vous pouvez avoir des images qui sont prises, stockées et enregistrées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, au-delà des délais de 30 jours, c'est-à-dire en fait tout le temps. Parce qu'ils pensent qu'à ce moment-là, ils ont capté quelqu'un qui potentiellement peut, je sais pas, sur la base de j'en sais rien, quoi, voilà. Sous un cadre administratif. Voilà. D'ailleurs, on s'était demandé, enfin bon, ça fait partie des trucs rigolos, mais Benalla, j'ai vu quelqu'un qui posait des questions sur Benalla tout à l'heure. Ça faisait plus de 30 jours après le 1er mai, hein, quand il a recherché les vidéos. Donc déjà, dans le monde réel, hein, les garanties, on peut se gratter, quoi. Mais c'est ça qui est marqué dans le texte. Voilà. Pour être très précis, on soulèvera tout ce qui est possible de soulever hein, sur les caméras. Bon, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être censurés par le Conseil consulte vraiment. Vraiment, vraiment. Sur ces aspects-là. Mais je ne sais pas quoi, je sais pas comment le Conseil consulte va analyser ça. J'arrive pas trop à me mettre à leur place là-dessus parce que. Le gouvernement se base sur le recours qu'il y a eu au Conseil d'État, qu'ils ont perdu, où le Conseil d'État leur dit non, mais en fait, si vous mettez un cadre, si vous mettez des conditions, enfin, c'est le droit administratif classique, hein, conditions de lieu, de temps, d'objet, et hop, ça passe, quoi. Donc, même si à la fin, quand vous mettez tout bout à bout, vous pouvez filmer tout, tout le temps, partout, tout le temps comme vous voulez, bah, à la fin, ils respectent les conditions de l'État de droit, entre guillemets. À voir. D'accord. Et alors, dernière question, comme ça on aura atteint les 2 heures de live. Une question donc de Antoine sur Facebook qui nous demande à quel moment la police ou la gendarmerie fait-elle de la prévention, ou bien ce n'est jamais sa mission? Et sinon, donc, pourrait-on imaginer de nouvelles missions de formation, d'éducation, de conseil, de sauvetage sans trop empiéter sur la mission des pompiers? Imaginer des missions plus universelles, plus gratifiantes, et pour une meilleure image de la police. Oui, ça fait partie clairement des pistes de réflexion, ces missions nouvelles, notamment en matière de sécurité, sécurité civile. Mais reviens hein, sur ce qu'on avait dit sur le service citoyen obligatoire, sur le fait que des milliers de jeunes devront demain être aptes à une forme d'organisation collective. Alors, je ne sais pas si elle doit être militarisée, mais en tout cas très organisée, pour faire face à des événements climatiques majeurs ou technologiques. Hein, parce que c'est ça qu'on voit dans les Alpes, hein, maritimes, ce qui s'est passé en fait. Hein, si vous avez une mobilisation collective, vous arrivez à faire face beaucoup plus facilement, quoi. Et donc moi, je suis pour que la formation initiale, de toute façon, des policiers et des gendarmes soit un minimum de 2 ans, et que dans ces 2 ans, il y ait des modules qui incorporent effectivement le service à la personne et de la sécurité civile. Ça ne veut pas dire que c'est leur mission principale, mais au cas où il y a quelque chose de grave qui se passe, ils peuvent être amenés à être là en renfort. En fait, ils le sont déjà hein, dans les plans hors sec, etc., sur la sécurisation périmétrique. Mais sauf qu'il découvre, il débarque hein, quand le plan C est activé. Hein. Moi, je vous le dis, c'est les chefs savent un peu de quoi on parle, mais après, au-delà, sur la troupe, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est clair que ça fait partie des missions qui doivent être étendues. Je pense notamment à ce qui se passe dans un certain nombre de polices, je crois que c'est au Canada, où, c'est peut-être pas être les seuls, hein, loin de là, mais j'ai cet exemple-là en tête, ils ont un petit kit sur eux. Qui leur permet, quand ils croisent quelqu'un qui fait une overdose de drogue, comme drogue dure, de pouvoir faire l'injection qui va sauver la personne, quoi.
Parce qu'aujourd'hui, le policier, en gros, s'il voit quelqu'un en train de faire une overdose, c'est d'abord un délinquant, quoi, qui est en infraction à la législation des stupéfiants. Mais ils n'ont pas ça, les policiers. Ils n'ont pas de kit pour faire la première. C'est dans toutes les ambulances, les pompiers ont ça. Mais finalement, ils l'ont mis chez les policiers aussi dans d'autres pays, parce que c'est aussi la mission de prévention, d'aide, de secours à la personne. D'ailleurs, le service de police qu'on voit le plus, les gens qui font des patrouilles à pied ou en voiture, là, ça s'appelle police secours. C'est le nom dans la police, ça s'appelle police secours. Pour secourir les gens, c'est pas police répression. Hein, c'est pas là. Alors, faut pas le dire trop parce que sinon ils vont changer de nom, ces cons-là. Mais ça s'appelle police secours. Et c'est important de le rappeler parce que c'est le slogan de la sécurité publique, c'est protéger et servir. C'est ça leur slogan. Et on appelle ça les gardiens de la paix. Donc les termes qu'on a jusqu'à présent, ils sont pas vilains, quoi. Ils sont plutôt cohérents avec ce qu'on veut faire. Et du coup, sur la prévention, c'est comment. Moi, je l'ai vu, par exemple, j'ai fait une patrouille avec les gendarmes il y a 2 ans de ça maintenant. Vous savez, il y a une photo sur les réseaux qui circule où j'ai un gros pistolet, un HKG-36, c'était avec les gendarmes. Bref, j'ai vu les honneurs du canard enchaîné avec le gros fusil. C'était après Benalla, vous comprenez. Et donc j'ai fait un contrôle routier avec eux, et ils font des trucs que pourraient faire des tas de policiers, mais ça prend du temps, c'est chiant, ça demande du suivi. Et on en revient à la gendarmerie, le périmètre qu'elle lui a signé, ceux qui sont dans une autre philosophie. Mais ils faisaient des contrôles routiers. Il y a un type qui avait des pneus qui étaient un peu lisses. Il lui a dit, ben voilà, il a remis un papier. Il dit, voilà, vous avez les pneus lisses. Vous avez 48 heures pour changer les pneus, me présenter le véhicule à la caserne de gendarmerie avec les pneus neufs, et vous n'aurez pas l'amende. Et ben voilà, que demande le peuple? Vous tombez sur la même patrouille en police en zone urbaine, jamais il vous proposera ça. Jamais. Il pourrait le faire. C'est-à-dire, la loi le permet, le cadre est là, le cadre réglementaire est là. Il ne le fera jamais parce qu'il n'a pas le temps, pas l'envie, c'est pas sa mission, on ne lui pas ce qu'on lui demande de faire, on lui demande de revenir avec un date PV, etc. Donc, je vous donne un exemple concret, c'en est un, et on pourrait démultiplier les choses. Mais c'est clair que sur le livre blanc de la sécurité, par exemple, il propose de supprimer définitivement le dispositif des CRS sur les plages. Je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est sympa. Il n'y en a plus beaucoup, il y en a encore un peu, il y en avait beaucoup à une certaine époque, ça a décliné au fil des années, puisque d'abord on l'a fait payer aux communes, avant c'était pas payant, après on l'a fait payer, après on leur a dit bah non, il n'y a plus suffisamment de CRS pour ça. Mais des CRS maîtres nageurs sauveteurs, et c'était bien parce que pour le CRS en question, pendant un mois dans l'année, en fait il faisait autre chose que taper sur les gens, il était vraiment dans le protéger et servir, quoi. Ah, sur une mission de secours à la personne. Et il pouvait en profiter pour faire de la répression, par ailleurs, hein, y compris pour celui qui fait le zinzin avec son jet ski alors qu'il n'a pas le droit sur la zone juste en face. Voilà. Et donc il y avait un intérêt à ça. Et puis les gens voyaient un CRS d'une autre manière. Alors, déjà, ils le voyaient en slip de bain, ce qui change un peu quand même. Mais par-delà la plaisanterie, c'est vraiment dans cette relation police-population et comment on considère l'autorité, sa légitimité, etc. Ce genre de missions sont des missions extrêmement positives. Et moi, je pense qu'il faut que le policier national de proximité, vu que dans notre esprit, il n'y a plus de policier municipal, bah oui, il va faire ce que fait le gendarme. Il fait le tour des commerces, il va papoter avec les commerçants. On apprend plein de trucs en discutant avec les commerçants. Vraiment, en termes de services de renseignement, c'est faut nec plus ultra, quoi. J'ai pas besoin de mettre des caméras partout, il suffit juste d'aller au bistrot. Ils font ça, les gendarmes. Alors, depuis, on leur a redemandé de le faire davantage depuis police de sécurité du quotidien, mais il faut le faire aussi en police nationale. Sortir les gamins, les faire traverser à la sortie de l'école. Il faut arrêter de me dire que c'est un truc, une tâche indue ou je sais pas quoi. Non, ce n'est pas une tâche indue, c'est une mission de police aussi. Parce que vous discutez avec les parents, vous apprenez aussi d'autres trucs, vous faites un peu de renseignements, les dernières nouvelles du quartier, et puis vous faites une mission qui est de dire que la police n'est pas là que pour réprimer, quoi. Elle est là aussi pour aider les gens concrètement. Il faut que ça s'incarne à un moment donné, ce truc-là, cet aspect-là. Pareil sur la sécurisation. Périmétrique, c'est la sécurisation des bâtiments publics, des tribunaux ou d'autres. De plus en plus, on met des agents devant les préfectures, des agents privés. Et après, on se dit, ah bah ouais, mais quand il y en a un qui fait une infraction, l'agent privé, il ne peut pas interpeller, il ne peut pas intervenir. Bah oui, c'était un policier avant qu'il le faisait. Et du coup, à un moment donné, ça fait aussi partie des missions et des tâches de police régalienne. Ok, c'est une mission chiante, alors pas de problème. J'en conviens que ce soit chiant. Mais ce n'est pas parce que c'est chiant qu'il faut pas que ce soit un fonctionnaire.
parce que ça fait partie du régalien aussi, quoi. Alors, après, c'est une question d'organisation interne dans le service, pour que ça tourne dans la carrière, que ce ne soit pas toujours les mêmes, etc. Puis il y a des gens qui aiment bien ce genre de mission, tranquille, peinard, qui n'ont pas envie de chasser les grands criminels, qui n'ont pas envie de ça, et qui ont envie de servir la fonction publique, quoi. Donc il faut vraiment battre en brèche ce truc des syndicats de police, notamment, des histoires de cœur de métier ou de tâches indues. Tout ça, c'est pour vous vendre du répressif. Et c'est jamais bon. C'est jamais bon. Parce que, y compris dans le sens du métier, quand vous faites que du répressif et que vous voyez que derrière la justice, ça ne vous convient pas, parce que tout le monde ne finit pas en prison comme vous le voulez, parce que, il y a encore un état de droit, une séparation des pouvoirs, bah à la fin, ça, franchement, je trouve ça logique que les gens partent en dépression, suicide, etc. Et donc, moi, je pense qu'on est en capacité de diminuer le taux de suicide dans la police, effectivement, en réélargissant les missions et en assumant le rôle social du policier et en lui permettant de l'assumer. En lien étroit avec la population. On disait ça sur la police de proximité. Sarko avait fait son. Il faudrait faire un contre-discours de Sarko, en fait, où il disait les jeunes ne sont pas là pour jouer au rugby avec les policiers. C'était ça, parce que c'était à Toulouse. Hein. Tout le monde dit jouer au foot, mais renseignement pris, c'était au rugby. Et je me dis, mais non, non, l'objectif, c'est que les gamins puissent jouer au rugby avec les policiers. C'est précisément l'objectif. Parce que ça veut dire que le niveau de tension dans la société, dans le quartier, est tellement bas. Qui peuvent jouer ensemble, faire du sport ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on a fraternisé avec les délinquants, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire qu'on est plus civilisé, quoi. Bon, eh ben, c'est bien ça. C'est bien. Quoi, vous préféreriez qu'ils se tapent dessus? Ah, ben moi, non. Bon, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait personne pour dire ça à notre cher Nicolas Sarkozy, c'est la conception, en tout cas, que j'ai de. Des missions de policiers, de la prévention aussi, qu'ils ont un rôle joué. Alors attention, en empiétant quand même pas, parce qu'il faut que chacun sait son boulot, quoi, aussi. L'éducateur de rue, la prévention spécialisée, ils ont une relation avec les gens où il n'y a pas de question d'infraction, etc., sur une relation de confiance absolument totale, pour faire un travail de prévention que ne pourra jamais faire le policier. Et il ne faut pas que le policier fasse ce travail-là. Et il ne faut pas que l'éducateur spécialisé, l'éducateur de rue, fasse le travail du policier non plus. C'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Par contre, les deux, ils doivent discuter ensemble. Pas des cas individuels, jamais, parce que sinon, ça rompt la confiance dans le travailleur social. Mais ils doivent pouvoir discuter de l'ambiance dans le quartier, ce qui va bien, etc., pour mieux adapter justement la réponse de sûreté et de sécurité. Bien. Eh bien, écoute, on a épuisé les questions et on a tenu le timing des 2 heures. Donc, merci beaucoup, Hugo, d'avoir accepté l'invitation et de t'être rendu disponible. C'est aussi pour ça qu'on a fait du coup ce jeudi du PG un vendredi, c'est parce que tu n'étais pas disponible hier. Encore merci pour tout le contenu de cette conférence. On a beaucoup déjà de messages de remerciements sur les réseaux sociaux et je pense que ça continuera à intéresser dans les jours à venir puisque ce sera disponible en rediffusion pour tout le monde. Avec plaisir, merci encore.